Bonjour. Bonjour, salut, bienvenue sur la Skip. Alors on est vraiment content de faire cette petite émission En là même qu'on temps, on a. est un petit peu désolé, c'est vrai qu'on est un petit peu en On est un peu en retard. retard, donc on s'excuse On là-dessus. s'excuse, voilà, avec Jules Fou, on avait des Bien petits problèmes sûr, techniques, mais on a des bon, problèmes voilà, techniques. maintenant c'est résolu. On remercie Jaya là pour la sub. Qui s'est abonné avec Prime. Et bon, bah, voilà, on va passer un petit moment ensemble, ça va être génial. Il Là, va y on va avoir y plein avoir une ligne de perse qui vient d'activité. nous. Les gars, non, Quelle c'est. boutade! Attends, C'est bourré c'est. là, c'est nous Ouais, normalement, je attends, crois. parce Hein. que Ça c'est fait une vanne. Cyprien. C'est plus grave Ah, là, ok, ça? Vas-y, attends. Si je ouais. me. Ah, peut-être, Si c'est j'arrive pour à mettre moi, ça c'est. dedans. Ah, Ah, ouais, je c'est suis d'accord, là. c'est. Ouais, Merci. merci. Ah, Nous, ok, bon, bah, c'était pour rendre service, hein. Ouais, bah, on c'est voulait juste une dépanner, vanne, hein. tu vois. On Attends, n'était mais pas là ouais, non plus c'est. pour. Ah, bon, Mais d'accord, ça aussi, c'est à moi. c'est à toi aussi, ça, Ouais, ça, c'est à moi. le. Quelle magnifique intro! Ok, voilà! Waouh! J'ai l'impression que les gens avaient deviné que c'était pas nous. Alors, qui a cru? La Ah. question, c'est qui y a cru? C'est la technique qu'on a trouvée parce qu'on était encore en retard. On s'est dit, on va mettre d'autres gens à notre place. C'était les Michel. happening? C'était les Michel, on Alors, applaudit, on on applaudit dans applaudit, le on chat. applaudit. On va peut-être faire une emote clap dans le chat, tu vois, ça pourrait servir des Oui. applaudissements. Les Michel qui vont nous jouer un petit peu de musique, qui sont là. Et ben, de toute façon, vous. N'hésitez pas à vous installer là, les gars. Ouais, voilà. On va peut-être Mettez-vous à pouvoir avoir l'aise. des. Voilà, mettez-vous à l'aise, on va peut-être pouvoir avoir un petit peu de musique de temps en temps. Salut à tous, oui, en effet, merci Guerilla pour l'abonnement Prime, merci beaucoup, mec. Tu l'as bien fait, tu l'as bien fait. Cette intro. Bon, les gens, ça leur a plu. Eh ben, une émission un petit peu particulière aujourd'hui parce C'est qu'on ça, n'est c'est un peu pas dans particulier. notre setup habituel. On est à Dinard, au Dinard Comedy Festival. Voilà, C'est donc ça ça. va être complètement à l'arrache. On a à peu près mis une caméra là, on a essayé d'en mettre une autre, on ne sait pas si elle marche. C'est On ça. a un micro entre nous deux, mais j'ai mis le t-shirt Johnny Hallyday parce que Ah, voilà. j'ai perdu la dernière fois au jeu Gang Beasts et du coup, c'était de mettre un t-shirt C'est Johnny ça. Hallyday. Alors, on peut expliquer que tu en as plusieurs des t-shirts J'en ai plusieurs, Johnny. mais c'était le seul. Alors j'en ai un, mais que m'a offert Jérémy. Mais il y a juste une petite phrase Johnny Forever. J'avais peur que vous soyez déçus, même s'il est pourtant excellent. Et Oh, ça fait des bruits, j'avais même qu'est-ce que pas c'est fait que ce gaffe. bruit? C'est des beats, on reçoit des beats de Ah. Thomas Hercouët qui nous envoie des Eh ben beats. dis donc. Merci pour les beats, Thomas Hercouët. Thomas qui était venu à Dinard il y a 2 ans. On avait Mais fait Radio oui, François juste avec les ici, Michel aussi, juste juste là-bas. ici. Ouais. Voilà, bon, t-shirt Johnny, j'ai tenu mon pari, je ne l'assume pas du tout. C'est marqué quoi? Live Legends, il y a une tête de mort. Je T'en as suis un, mais allé la dans prochaine fois, on jouera pour le mieux, t'en le as mieux, mais il n'est une. pas chez moi, mais je vais le retrouver. Si on est en retard, il y a une raison un peu marrante quand même. Alors oui, est-ce que tu peux nous expliquer? Juste pour préciser, donc voilà, c'est moi qui fais la réalisation, enfin tu vas m'aider aussi. Cette fois-ci, on passe un petit big up aussi à Pierre Lapin et à Stéphane Carlo. Pierre Lapin refera une réal une autre fois, je sais pas si la semaine prochaine. Je dis pas de bêtises, oui, je crois que c'est la semaine Ah, prochaine. écoute. Et après, Stéphane reviendra et fera les émissions aussi avec nous. Donc voilà, là, vous avez le droit de me blame, c'est moi que vous pouvez blame si c'est n'importe quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si techniquement c'est bien, si on nous entend bien, si ça passe pas mal. Si quand on fait un jeu, on entend le son du jeu, etc. C'est à moi qu'il faut le dire. Envoyez-moi un texto directement. Et oh là là, on a Arnaud Joyet qui vient d'arriver, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il est magnifique, il est encore en costume de scène. Vous allez J'ai pouvoir mis vous du temps à le découvrir. reconnaître, j'ai vraiment Et moi fait genre. aussi, j'ai un Je bug qui fais, fait ah, c'est. le maire de Dinard. Pardon, monsieur. Alors oui, Salut. avant le sommaire, Valentin, s'il te plaît, et d'ailleurs vous allez pouvoir être témoin, installez-vous, hein. Oui, Il y a bon, de on quoi s'en boire sort. des coups, Oui, piquer dans le bar, ça ne nous on appartient va. pas. J'en suis. Installez-vous. Ah oui, avant qu'on attaque peut-être le Sorti petit 7, là, sommaire pour ouais, expliquer j'ai vu, je suis un parti. petit peu tout ce qui va se passer dans cette émission, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer, Valentin, pourquoi on a démarré en retard? Ça va vous intéresser, les gars, aussi. Parce que j'ai l'habitude d'aller aux toilettes vraiment juste avant qu'on commence. Je vais souvent aux toilettes, voilà, on va pas se Voilà, le cacher. vous vous Sauf que ce habituez. que j'avais pas vu, c'est qu'ils nous avaient enfermés dans l'hôtel où on tourne et que les toilettes n'étaient pas accessibles. Donc vraiment, au moment où on allait lancer à 21h, j'ai paniqué. Je crois que tu m'as jamais Là, vu j'ai aussi vu un paniqué. regard de panique Non, mais j'ai fait genre, totale. je peux pas aller aux toilettes là, je peux pas y aller. Et du coup, j'ai dû courir dans un Je vous bar ai avec ce filmé. t-shirt Johnny pour trouver des J'ai toilettes. filmé. Pour info, j'ai filmé. Tu as filmé On en te train de courir voit, ouais, on te voit en train de là? courir. Je propose que la semaine prochaine, on ait vu Mais ce petit clip parce que j'ai beaucoup rigolé. J'ai passé un moment incroyable. Il t'a couru hein, parce que t'as quand même c'était la descendu toute panique. tête. Il est allé sur la digue de Dinard pour ceux qui connaissent. Trouver un endroit où Mais aller. T'es allé où fallait du trouver un coup? bar, bah le bar qui en fait, que je salue du Bah, coup, comment? On les d'ailleurs. remercie Merde, pour j'ai leur oublié le nom. toilette. Mais bon, si je Bon, le bref. retrouverai, je les Bon, salut à remercierai. tous en tout cas. Such intro. Bon, les gens kiffent bien. Ouais, je reviens bientôt, les amis. Ah, la Carence qui est là. Salut, la Carence. La carence, c'est Drop Stéphane, du coup, d'image, parce mais que son. personne Ok. n'est. Oui, pardon, la Carence, Stéphane Carlo. Bon, il y a des petits Oui. drops. Voilà, désolé pour la qualité du stream. On est en 4G parce que Pas c'est trop mal, compliqué. C'est pas là. assez. Non, mais. Il y a un bon début. Bon, C'est bref. mieux que rien. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le sommaire? Parce que du coup, Tout à on a une fait, émission, mine mais. de rien, assez condensée, en Tout fait. à fait, mais avant, on a reçu une petite vidéo de François des cracks.
C'est vrai. Je propose qu'on la regarde tout de suite si. Pour rappel, la semaine dernière, on lui a offert un mini golf pour les toilettes et donc il nous a envoyé une petite vidéo. Évidemment, on est sur un mini golf dans les toilettes. Et allez, meilleur magnéto de. Le meilleur magnéto. C'était effectivement les cuisses de François Descraques. Hein. On pourra comparer comme les gens le font. Voilà, Arnaud Joyeux qui est ravi. Ah, pardon. Ouais. Il faut que tu baisses un petit peu pour que les gens voient. Magnifique cravate. En même temps, comme j'ai tout misé sur la cravate, je bah, oui. On reste là-dessus et j'ai peur qu'on perde quelque chose au moment où je dis oh, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux. Tout simplement. Arnaud Joyeux qui viendra tout à l'heure avec. Bah, je viens de découvrir mon maquillage et j'ai envie de pleurer. Écoute, tu peux rester là, tu peux être notre sniper hein, si tu veux. Hein, tu peux voilà, être... sniper, attention. La cravate est sublime, les gens aiment beaucoup la cravate. Ouais, j'ai tout misé là-dessus. Petit sommaire. Ah non, oui, on a une autre vidéo qui est tout aussi useless. Attention, c'est parti. Voilà, c'est la petite preuve. On vous avait dit qu'on posterait une carte à Pierre Cross parce qu'on avait perdu. On perd beaucoup au jeu quand même, mine de rien. La preuve, ce t-shirt. Hein. Voilà, magnifique, c'est validé, c'est posté. On espère que ça va arriver à temps. Ouais, mais là, qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas posté n'importe quoi et tout, que c'est vraiment une carte alors, à Pierre Cross? Il se trouve que c'est une carte hyper unique que les gens avaient déjà identifiée la dernière fois. Ok, je ferme ma gueule. Et là, à moins que, voilà, qu'on ait j'ai acheté une carte. J'ai hyper mal snipé. Ouais. Bah, t'as tiré, mais t'as visé à côté, quoi. Voilà. Alors, si je suis pas trop mauvais dans Streamlabs, ce qu'on peut faire. Alors, c'est ça, un petit sommaire. Ça, on aurait pu le faire, par exemple, avant. Mais voilà, c'est une possibilité. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Un petit sommaire, voilà. Ça, on peut se le faire. On peut se le faire ici. Alors. Ouais, parce que je suis à la réelle. D'habitude, on a un réelle et tout. Ouais. Là, ça se met mal. De plus en plus cheap. Donc, c'est parti. Non, mais regarde. Hyper efficace. Boum. Ça se passe ici. On va d'abord attaquer par Yeti Sport. D'ailleurs, bah, les gars, si vous voulez tenter, il se trouve qu'on a. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu Flash Yeti Sport. On a commencé ça la semaine dernière. On va essayer de faire jouer à tous nos invités et on fait un high score. Un tableau de score. Ouais, voilà. Et il y a du niveau. Il s'agit de lancer des pingouins. J'ai vraiment compris un mot sur quatre. Donc, ensuite, on aura le pitch en musique. Ça se passera avec les Michel si vous êtes chaud. C'est un exercice qu'on a déjà fait il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans, à Dinard aussi. Et pour ceux qui nous avaient suivis avec Radio François et Thomas Hercouet, qu'on salue du coup, on va se refaire des petits pitchs en musique. Ensuite, on aura Use Your Word pour ceux qui connaissent. Il y aura peut-être moyen d'ailleurs pour vous de participer en votant pour les voilà pour ceux qui connaissent c'est un jeu où il faut faire des blagues les meilleures blagues possibles. Ensuite on a l'incruste légumes. Ça j'aime beaucoup. Ça qu'est-ce que c'est l'incruste légumes pour ceux qui nous ont suivi un peu moi, sur moi j'ai Instagram. L'impression que tout est dans le nom. Hein. Alors attendez alors ça serait quoi l'incruste légumes ben, vas-y. T'arrives par exemple avec un concombre. Ouais. Et puis tu dis bah attendez est-ce que je peux venir j'ai un concombre. Ah alors ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Il y a une notion plus technique vidéo d'incrustation, tu vois. Il faut incruster un légume si dans je notre... peux te donner une ordinée, on a choisi que des légumes verts. Ok. C'est bon, tu l'as et ah. Il est pas sûr, il a une sueur et une goutte de sueur. Non, mais ça, c'est parce que je viens de jouer et que ça coule. Oui, et puis le côté, je pense que le côté vieillesse, c'est ça, te met dans un mood qui fait que. Que je suis vieux. Ouais. Et du coup, et déjà, quand tu me parles d'incrustation et tout, de vidéo, ouais. Bah, normalement, à mon âge, je suis complètement perdu. Quoi. C'est ça. Pourtant, tu as tourné dans une série avec des effets spéciaux. Ah, ouais, mais ça s'est fait après, hein, nous, pendant ce Bon, écoute, on découvrira. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris l'incruste légumes. C'est une tentative hein, qu'on fait pour vous parce qu'on a beaucoup rigolé la dernière fois avec François. C'est un jeu qui est né un peu involontairement la semaine dernière, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, on aura évidemment maintenant le classico, la game castée. Voilà, on va se faire un petit jeu rétro tout simple et commenter. Et d'ailleurs, avec toi, si tu veux bien. Bien sûr. Est-ce que tu es un commentateur? Mais je peux commenter. Je peux commenter. Je suis tout à fait capable de faire de la merde. Ça me plaît. Eh ben, écoute, très bien. Moi, c'est le principe de l'émission. Encore. Oui, de toute façon, t'inquiète pas, aucun souci. Voilà, écoutez, ouais. Oh, c'est magnifique. Oh, tout se remonte. J'ai adoré tout ce que tu viens de t'as faire. T'as vu, techniquement, tout voilà, je clique avec une souris, on fait plein de choses. Hein. Donc, c'est parti. Pour le Yeti Sport, si j'ai bien suivi. Exactement. Parce que j'ai pareil, je découvre. Oui, Yeti Sport, go. Ah oui, attends, peut-être qu'on va faire un petit jingle, attends. Parce que techniquement, regarde. Hop, regarde-moi ça. Là, on vous voit, vous pouvez venir ici. Ouais, parce que ça y est, on est définitivement à Late Show et on a notre groupe de musiciens. C'est là qu'on voit qu'on a bien calé la caméra. Ouais, le contre-champ est formidable. Attends, je vais faire cadreur. Enfin, le contre-champ est incroyable. Là, il y a quelque chose. Ah ouais, on est pas mal. Là, on est bien. En tout cas, t'as le coup pas dans l'œil parce que. C'est le jingle de quoi? Alors, il s'appelle pas. Yeti Sport. C'est le jingle. C'est bien. Si on
surtout pas plus long. C'est déjà presque trop long. Excellent. Waouh, incroyable introduction. On passe donc Jimmy directement Fallon n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie de dire. Bim, tout est en place. Et là, on a le top. Les Yeti Sports, c'est parti. Donc voilà. Vous vous souvenez pas, les gars, de ça, du Yeti Sport? Si, ouais, on était déjà vus. Eh ben, nous aussi, malheureusement. Et donc là, on a le top. C'est Chetwan qui détient le record. On a 644,1, ce qui est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, à rejoindre le Discord parce que je crois que ça essaye de battre les records aussi dans le Discord. Donc peut-être que la prochaine fois, on pourra mettre un top des viewers. Ça pourrait être intéressant parce que je pense que vous allez clairement nous éclater parce que nous, on joue pas en dehors des streams. Donc n'hésitez pas à faire un beau tableau Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera juste en dessous. Donc on a chez Twan qui a 644. Valentin, t'as peut-être moyen de te refaire un petit peu là. T'es à 493. Oui, je peux tenter. En tous les cas, 644, c'est le record actuel. Pour expliquer ce que c'est très simple. Il y a un pingouin qui tombe, il faut lui maraver la gueule avec un Yeti. Et vous avez deux touches A et S qui sont pour contrôler l'arrivée dans l'air. Comment on peut exactement dire la pénétration. La pénétration dans l'air du pingouin. Je vous fais d'aller le plus loin possible. Une petite démonstration. Je vais faire un petit mille pour vous montrer comment ça se passe. C'est mauvais. Pas ouf. Pas ouf du tout. 221, voilà. Ah, bon, je te laisse, vas-y. Vas-y, hein. Vas-y, c'est quand même un beau. Oui, c'est bien. C'est un beau lancer. Ah. Oh, pauvre bête. Oh, il y a une idée. Ah, il est un peu mieux, non? Un petit peu mieux. Est-ce que j'ai battu mon... Ah, j'ai pas battu. Pas mal, 408, je crois pas. Vous voulez essayer, vas-y. Et donc, le premier rebond n'a aucune incidence sur le projet, quoi. Non. Et alors, tu m'as dit... Le mieux, c'est pas le rebond. Alors, tu cliques et c'est A et S. Tu cliques, le pingouin va tomber. Tu recliques pour taper dedans au bon moment. Je clique où? Tu veux t'asseoir? La souris, je suis vraiment regard. Tu peux t'asseoir, hein, tu peux t'asseoir. Oui, tu peux t'asseoir. Assieds-toi, papy, assieds-toi. Bah voilà, bon, bah attendez. C'est un bon début. Et zéro, quelqu'un a fait zéro déjà? Parce que je suis dans les meilleurs, non? Sinon, on peut te mettre dans le tableau des scores. Ouais, c'est chaud là. Nous, on s'était déjà entraîné. Attends, mais faut que je vous regarde jouer parce que c'est. Regarde. Là, je clique, tu cliques pour lancer le pingouin. Je clique une fois. N'importe où. Et là, je reclique pour taper. D'accord. Oh! Et là, j'essaie de trouver une bonne pénétration. Et ça fait qu'il faut rebondir sur le ventre. Quel dommage. C'est pas ouf. Mais non, mais vraiment, les pires. En fait, il est bien parti, puis t'as planté le bec. Alors, ça, c'est triste. Allez, vas-y, j'essaie. Je crois que j'ai rien compris. Donc, on est bon. Je crois que c'est bon. Alors, replay. Ouais, replay. Replay. Vas-y, alors, premier clic. Ouais, A et S, hein. Ouais. Ok, un premier clic. Et on s'en fout de cliquer où, hein. Ouais, n'importe. Ouais. Ok. Oh, c'est énorme. C'est pas mal. Je vais essayer. Ah, j'étais bien. Excusez-moi, je vais essayer de faire 1. Alors, 1, ça serait. Ça, c'est comme. Ouais, clic sur replay. Ouais. Bon, c'est à l'époque, même... c'était des Atari, hein, qu'il avait. Oh, ouais. T'as une certaine constance, quoi. Alors Michel, je pense que Michel il va ouais, faire chaud, un score, là. Il est assez geek. C'est A et S, c'est ça? Ouais. Il est déjà, faut réussir à lancer le pingouin. Ouais, c'est pas évident. Boum! Zéro pour Michel. C'est ça. Autant moi un dernier, je vous jure que c'est le dernier. Ah, mais fais autant que ça. Attends, vas-y, j'en reviens, je suis chaud, j'ai tout compris. Allumer les lumières parce que là on va rien. Je vous jure que. Ouais, et il en fait deux d'affilée, madame. Attendez, les gens vont croire que c'est moi, j'ai dit que c'était moi qui gérant ça. J'ai fait zéro. Zéro, Michel. Oh! Oh là là! Oh! Ah, c'est. Ouais, pardon. 300 quoi. 300, oh, pas mal. Bon. Ah, j'en ai chié que deux quoi. Franchement, reste là-dessus. Ouais, je pense que ça vaut mieux. C'est pas vraiment une victoire, mais c'est déjà une demi-victoire quoi. Attends, pas mal. Note. 339, ouais, on est pas mal. Franchement, c'est honnête. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat? Désolé pour les drops. Ah, il y a des drops. Il y a beaucoup de drops ou pas? Ah oui, je vois le petit 7 drops. C'est qu'on perd la connexion. Ah, on perd la 14%. Connexion. Ok, c'est pas des. C'est vraiment dommage. Mais... Tu vas voir qu'on va perdre le moment où j'ai fait 300. À tout moment, on n'a pas vu. On n'a pas vu ton high score. Ils vont prendre que mes zéros. 339 pour Arnaud Joyeux. Point 7. 339 pour Arnaud Joyeux. Point 7. 339 pour Arnaud Joyeux. Point 7. Oui. Merci. Ouais, un applaudissement. De nouveau. Applaudissement. Magnifique. Ça fait mal à personne. Les Michel, vous avez fait 0 et 0, c'est oui, ça? Oui, on a fait 0. Vous pourrez retenter à tout moment. Ah oui, avec plaisir. On vous mettra quand même dans le classement symboliquement. Oui, je le note. Il y a Michel, 0. Tu peux noter aussi Michel, 0. Ok. Est-ce qu'on n'enchaîne pas directement sur du pitch? Du pitch en musique? Allez, c'est parti pour le pitch en musique. Tu peux réexpliquer? Yable. Boum. Pitch en musique. Du pitch en musique. Exactement. Alors, c'est tout simple. On va pitcher volontairement mal. Voilà, encore big up à François Descraques qui était venu nous voir la dernière fois, qui faisait les pitchs flous. Nous, on fait les pitchs flous chantés, en gros, hein, tout simplement. Qui consiste. Vous en avez un, les gars, déjà, ou pas? Ouais, vous êtes des improvisateurs de génie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, explique-nous bien. Souviens-toi, il y a deux ans. Oui. On avait fait.
Tu nous avais raconté des pitchs de films très mal racontés et chantés pour pas qu'on devine le film. Ah, et l'objectif, c'est que le chat ou nous, on devine le film dont tu parles, okay. même si tu fais des petits détours, tu vois. Ok, pas de problème. Allez, on y va. Ouais, c'est des yes man. C'est des yes man. Vous étiez au courant ou pas? Parce que Julien m'a dit que oui. Oui, enfin, on l'avait fait il y a 2 ans. C'est ça. Ouais, okay, il devait être tard quand je leur ai dit on fait ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui croyait qu'il voit. Je laisse le chat. Et il y avait Bruce Willis. C'était un peu trop explicite, peut-être. Ouais. Ah, non, mais... oui, c'est après. D'ailleurs, 3, c'était facile. Faut que le sixième sens. Arnaud Joyeuse, The New Shit One. Si, on a le chat, j'avais peur qu'on n'ait pas le chat. Je vous jure que c'est pas ma gueule habituelle, hein, je vous le dis. C'est vraiment un maquillage et les cheveux faussement blancs. J'ai lu plusieurs fois, il a pris un coup de vieux. Oui, il a pris un peu cher. Mais tout ça, c'est de la bombe, hein, de la lac blanche, tout simplement. Par-dessus du blanc déjà. Ouais, ça va. pas mal, non, pas mal. Après, nous, on peut essayer de vous en raconter. Hein. On peut aussi essayer de vous en raconter. Moi, je peux vous en chanter un si vous voulez. On t'accompagne. Allez, vas-y. Que de la partie musicale. Que de changement. La partie musicale qui est très loin, évidemment. Sixième sens, on avait Tanuki qui l'avait trouvé. Bien, vache. C'est une comédie, déjà. Elle se réveille. La croyait morte, mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Elle est vraiment très en colère. Elle va tout claquer sur son passage. L'ambiance est vraiment mitigée quand elle rencontre les anciens gens qui lui ont fait du mal. Elle décide quand même de vivre à cause de sa fille, à qui elle accorde beaucoup d'importance. C'est la belle voix d'Armand. On l'a pas dans le chat. Personne n'a dans le chat. Mais toi, tu l'as la Kill Bill. Bien au bout d'un moment, elle bute tout le monde. Elle utilise un monde danois, je vous ai des trucs. Et à la fin, elle utilise les 5 points. Il fallait que ce soit pas immédiat. Pas mal, Monster pas mal. RMP qui a trouvé Kill Bill. Bien wesh, Kill Bill. Je te remercie, ça me fait plaisir. Elle est blanche, t'es même pas... ok, bah, ça m'a perdu dès le début, mais en fait, pas mal. Tout le monde la croyait morte. Ouais, pas mal. Elle se réveille, elle utilise ses pieds à l'intérieur du véhicule, tu sais, elle fait marcher ses doigts de pied, ouais. Grâce à la confiance qu'elle a eue, grâce et à oui, un maître. Oui, exact. Ouais. Hyper précis, en fait. Elle repart, de plus belle, elle se venge. GG Monster MP, bien wesh. Ce qu'on peut faire aussi, d'ailleurs, je vous en parle que maintenant, mais n'hésitez pas, dans le Discord, pour ceux qui sont dans le Discord, on va se garder le Discord ici. Dans, je sais plus comment s'appelle la catégorie, c'est à vous de jouer. À vous de jouer, tout à fait. À vous de jouer, un truc comme ça, ça ressemble à cette phrase dans tous les cas. Vous pouvez proposer des pitchs, on peut tenter de les chanter, on peut peut-être tenter. Hein. Allez. On peut essayer ce genre de choses, de toute façon, on est sur des improvisations, donc tout à fait. Donc n'hésitez pas à écrire un petit pitch, on peut peut-être s'en refaire une petite avant. Dans tous les cas, on a pris du retard, donc on va peut-être pas trop traîner là-dessus. Oui. Non, si tu peux pousser, je pense un petit peu le son. Curseur, qu'en est-il du micro son? Ok. Hop là, ça module pas mal. Ça module bien. Ah, il y a les liens des Discord. Ça, les modos, ils sont au taquet. Ah, ça s'appelle Joue avec nous. Qu'est-ce qu'on a dit? À vous de jouer, donc ça s'appelle Joue avec nous. Là, on sent sur le que... Discord. Bien, ouais. Est-ce que les Michel en ont une autre? Ouais, est-ce que t'en as une, toi? Parce que tu voulais faire. Alors, ce moi, déjà, j'essaie de réaliser tout ça et je suis en PLS. Moi, j'aimerais bien que tu nous en fasses. Je trouve que je m'en sors pas mal. Après, j'ai l'impression qu'on tape quand même vachement les années 90, 2000, début 2000. On est un peu des vieux ringards. On pourrait faire un truc plus récent. On pourrait faire un truc plus récent. Sur les Avengers et tout ça. Si je vous envoie un pitch, personne ne trouvera. On peut quand même ouvrir peut-être le Discord pour voir s'il y a des gens qui nous en envoient. Et attends, moi je peux essayer d'en trouver un, hein, mais alors là, moi je suis au four et moulin, comme on dit. Hein. Donc, ah, mais c'est là qu'on t'admire. C'est pour ça, on se dit, ce gars-là, il a quand même un truc de spécial. Sympa d'avoir le petit retour, ça permet de faire des petites. Oh là, qu'est-ce qui nous arrive? Bah ouais, on est en train de partir. Mais partez pas sans moi, les gars. En checking aid. Joue avec nous, ok. C'est ici où vous pouvez proposer des pitchs. Parfait. On n'a pas pour le moment des pitchs. Toi, parce que toi, tu. Bah oui, j'ai créé des jeux. Moi, je n'ai jamais. Parce que toi, t'es juste à côté, tu vois. T'es juste là. Il y a qu'un pas, finalement. Arnaud, il y est allé, il s'est jeté comme. Il savait même pas ce qu'il allait pitcher. Vas-y, faites de la musique. Et tu pitches? Je vais tenter. Après, j'aime bien, c'est pas où. C'est pas obligé que ça rime, t'as vu, moi j'ai... Ah mais je sais pas où j'y vais, J'adore, si tu sais pas où tu vas, j'adore. J'attends que la musique prenne un peu. Oui, c'est ça. Bah, ça tombe dans le cerveau, en fait. Ça peut t'inspirer un film, hein, tu vois.
Je sais pas chanter par contre. Ouais, on s'en fiche. C'est juste l'âme. C'est l'histoire d'un quarantenaire ou peut-être qu'il a 50 ans, je sais plus trop. Il est passionné par les robots, enfin je crois. Il est passionné. C'est pas précis, enfin je crois. Je comprends. Il y a aussi des terroristes, un moment où il se fait enlever. On croit qu'il va mourir, mais en fait, ça va. Faut être flou, hein. Ah, je crois que je l'ai. Ça va, en fait, ça va. Il a un problème de cœur, on croit qu'il fait des crises cardiaques. En fait, ça va. En fait, ça va. Il arrive à s'échapper des méchants parce qu'il est très fort. C'est pas le géant de fer. Presque. Pas loin. Parce que dans le fer, en anglais, ça se dit comment? Non, c'est pas tout à fait ça. T'en as trop dit. Iron Man, bien joué. Merci. Bravo. Il est bien parti. J'ai bien aimé son angle. Ouais. Il y a une. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que c'est vraiment assez flou au début. C'est pas mal. Ouais. J'ai failli partir sur une imitation à un moment pour. Ouais. J'avoue, j'étais. J'étais dedans. Hypertension. Non, c'est pas dedans. Non, c'était Iron Man, bien entendu. Bon, je vais en tenter un à la One Again, comme ça. Faites-moi une petite ambiance, les gars. De tension, un petit peu. Le pire truc à faire avec un ukulélé. Une bossa nova. Je le conchis dessus. Les bronzés font du ski. Ah putain, bien joué. Une bossa nova de tension. Je vais me donner que des trucs subjectifs qui vont expliquer que ça va être très dur. Ouais, un petit suspense quand même, ça marche un peu. C'est un de mes acteurs préférés, je l'aime bien, même si on le voit plus trop maintenant. À l'époque, il était dans plein de films que j'aime beaucoup, mais maintenant, dommage, il est plus trop dans le game. Dans le film, le mec essaie un petit peu un reggae. Oh yeah! Babylone, oui. Il est là, il est posé, il invente des trucs. C'est un cerveau, oui. Il invente des trucs, il est dans son labo. À toi! Oh, il n'avait pas pensé qu'il allait inventer un truc de ouf, malade dingue. Dingue. C'est pas JCVD, non. Il invente des trucs. Oui, t'as une idée. Vas-y, chante-la l'idée. Mais je sais pas si c'est ça. Bah, vas-y, propose en chantant. Au bout d'un moment, ça se met mal. Ouais. Et l'ambiance est vraiment très tendue. Pas ouf. Parce que ça se passe pas comme il voulait vraiment. Quelque chose s'est inséré à l'intérieur de son invention. Oui, on parle de ce film-là. Tout à fait, oui. C'est moche. Ce n'est pas Retour vers le futur, non. C'est un film de la même époque, mais un peu plus vieux, je crois. C'est moche. Peut-être un peu plus tard, mais à l'époque. Non, pas c'est le bzzz. On vous donne un petit peu trop d'indices. Oui, bien joué. Ouais, on était vraiment un number. Waouh, bravo. Et c'est Goldblum, du coup, ton acteur. Effectivement. C'est un de mes acteurs préférés et on le voit plus. Voilà. On le voit. Jeff Goldblum. Ouais. Il était dans Independence Day 2, par exemple, récemment. c'est ce que je voulais dire. Il fait toutes les suites. En fait, il fait toutes les suites des films qu'il a fait à l'époque qui marchaient bien. Il fait Jurassic World, tout ça. Est-ce qu'on a des pitchs dans le. Je crois que les gens ont abordé. Grosse ambiance. Attends, on en a un. Alors, est-ce que. On peut essayer de chanter, puis on va combler si on trouve. Je vais essayer de le chanter, parce que je l'ai sous les yeux. Quel genre d'ambiance tu fais? Quelle ambiance une... Oui, n'hésitez pas peut-être à mettre l'ambiance dans le pitch en même temps, comme ça, vu que les Michel, ils peuvent tout nous faire. Bien sûr. Grosse ambiance, ça fait plaisir. C'est vraiment très drôle comme pitch. J'arrive pas à savoir. Moi, je sais même pas de quoi elle parle, mais c'est vraiment très bien. Tentez de le chanter, moi je vais voir. J'ai pas lu moi, comme ça je vais jouer moi. Vas-y, je vais tenter. C'est écrit où là? Attends, il y a celui de studio là. Il y en a deux là, mais alors ça se mélange. C'est un mec qui regarde. Un petit Brassens un peu, ouais. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah, ça me plaît. C'est un mec qui regarde tous les jours la télé. Et à un moment, il en a marre. Alors il mange n'importe comment et commence à draguer sa fille. Puis il frappe des mecs avec un outil pas forcément adapté. Pas adapté. Excusez-moi.
excusez-moi, est-ce qu'on pourrait me résumer? Bah, car je suis pas sûr d'avoir compris. Un mec qui regarde la télé tout le temps. Ouais. À un moment, il se met à manger n'importe quoi. Ouais. Il drague sa fille. Ouais. Donc l'ambiance là, vraiment, ça part. T'as la tête en sphère. Ouais, pardon. C'est parce que j'étais en train de lire. Et puis donc, il frappe des mecs avec un outil pas forcément adapté. On a Tekken, est-ce que ça serait pas Tekken? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la réponse. Mais il drague pas sa fille. On a Machi qui va nous dire. Machi qui a proposé, qui peut nous dire dans le Discord. Machi, on va voir. Machi, vraiment, on t'en supplie. Est-ce Tekken ou Old Boy? Ah, Old Boy. Ah, Old ça Boy. Parle d'une fille dans Old ah, Boy. Ah, oui, c'est Old ça. Boy. C'est ça, je pense que c'est Old Boy. Et on en a un autre. Est-ce que c'est Old Boy? Est-ce que c'est ça? Ah! Merci! Bravo, merci beaucoup parce que moi j'ai trouvé le pitch très joli, bravo! Oui, c'est vrai, très très bien, bravo! Est-ce qu'on s'en fait pas une ultime? Il y a Mini Le Perse qui en a proposé aussi. Ah bah vas-y, on tente! Quel style? Petite ambiance funky? Funky? Ah bien! Vas-y! Tu veux le faire, Julien? Vas-y, ouais! C'est l'histoire d'un fils unique en Amérique! Ses deux parents sont rencontrés, ils se sont à l'étranger. Allez, ouais. À l'étranger. Tout se passe bien jusqu'à ce que la maman fasse des bêtises et casse tout. Elle casse tout, du coup, le fils, pour gagner de l'argent, devient pilote comme ça, tout le monde le croit. Comme ça, tout le monde le croit. Le croit. Et puis plus tard, un agent s'en mêle et ils essayent de rencontrer ce fameux garçon. Ce gars. J'ai rien suivi. Bah, du coup, j'ai rien compris, ouais, avec lui, on est sûr. On résume. Top, c'est l'histoire d'un fils unique en Amérique. Ses deux parents se sont rencontrés à l'étranger. Tout se passe bien jusqu'à ce que la maman fasse des bêtises et casse tout. Du coup, le fils, pour gagner de l'argent, devient pilote. Comme ça, tout le monde le croit. Et puis plus tard, un agent s'en mêle et ils essayent de rencontrer ce fameux garçon. J'ai pas plus compris. C'est pas. Est-ce que ce serait pas le film avec DiCaprio Titanic? Non, je crois pas. Alors non. La plage. Où il se fait passer pour un pilote. Attrape-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. 4 miches. Ouais, attends. Il est bilingue. En fait, c'est pas vraiment les cheveux blancs. Yes. Arrête-moi si tu peux. Ça dit yes. Est-ce qu'on est là-dessus? Aviator. Ah, Aviator, yes. Rattrape-moi si tu peux. Tout le monde n'est pas sûr de ce titre. Non, c'est Catch Me If You Can, donc c'est. Je dois être Rattrape-moi si tu peux, ouais, c'était pas c'était mal. C'était ça. Pas mal, ok. On en fait une petite ultime parce qu'il y en a eu pas mal dans le Discord. Sinon, on peut faire un truc hyper facile à trouver. Genre, c'est un jeune enfant qui rencontre un extraterrestre, qui le trouve hyper laid et qu'au bout d'un moment, en fait, il l'aime beaucoup. Ouais. Je l'avais très vite, ouais. On peut faire un chrono. Peut-être la prochaine fois, on fera chronométré. On fait un chrono en disant vraiment là. Ouais, ça me plaît. Si tu l'as pas au bout de la première phrase. Ok, ouais. Là, on en a une, c'est bien écrit, il y a des rimes et tout. On est obligé de rendre hommage. Je vais la faire en Renault. Vas-y. Et après, j'en ferai une chronométrée pour Renault. En Renault. Les arpèges, quoi. Alors, vas-y, mais violent. Non, je voyais à détruire mon pitch. Ah, bravo. Pardon? Ah, ok. C'est l'histoire d'une femme mariée qui découvre que son mari est un enfoiré. Ah, c'est bien. Elle découvre que le collier qu'il lui a donné est celui de son ex-femme qu'il avait tué. Tué. Ça me prend du souffle, hein. C'est pas très gentil, hein. Qu'il avait tué. Dans la baignoire, son mari la torture. Puis elle s'échappe et file prendre sa voiture. Et elle finit dans le lac, empêchée par cet homme. Et le gars finit en vrac, enlevé par un fantôme. Ta-ta-ta. Enlevé par Cliffhanger. Il en reste un dernier. C'était son ex-femme qui était venue l'emmener vers le fond par la peau du cul. Ah, c'est joli. La peau du cul. La peau du cul. Par la peau du cul. Par on peut rajeunir le Renault, ça, si on fait un peu tard. Ouais. Par la peau du cul. Par la peau du cul. Moins en moins faux. Par la peau. La peau du cul. Incroyable. Oh, alors, magnifique. Est-ce qu'on a trouvé? J'ai pas réfléchi du tout. On n'a pas trouvé. C'est l'histoire d'une femme mariée qui découvre que son mari est un enfoiré. Elle découvre que le collier qu'il lui a donné est celui de son ex-femme qui l'avait tué. Okay. Dans la baignoire, son mari la torture. Puis il s'échappe et file prendre sa voiture. Mais elle finit dans le lac empêché par cet homme. Merci. Le gars finit en vrac, enlevé par un fantôme. C'était son ex-femme qui était venue l'emmener vers le fond par la peau du cul.
The Gift, on a en proposition, mais j'avoue que je ne vois pas. Alors là, on a un mystère. Par contre, bravo, très beau texte, bravo. Ouais, le texte est beau, l'interprétation était impeccable. On va garder les pitchs. Il y en avait quelques autres, on pourra en garder pour la prochaine fois peut-être. Et celui-là. Merci en tout cas d'avoir proposé. J'attends la réponse, mais on va enchaîner après sur la suite. Mais on attend la petite réponse. Donne-nous la réponse. Malheureusement, c'est qui? C'est iTube 138. Bravo. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui demandait où on proposait les pitchs. C'est sur le Discord, mais on va continuer la prochaine fois. Les tuches. Alors, ça serait incroyable, mais. Ah, les tuches, c'est drôle. Au moins, non, mais. Apparence. Faut reconnaître le nom. Ah oui, attends, je voulais en faire. Il y a Ravdes qui dit apparence, mais je ne connais pas ce film. Bonjour, Ravdes, si tu es le Ravdes qu'on je pense. Ouais. Je dirais qu'apparence, c'est pas. Sinon, pour patienter, je propose d'en faire un chronométré. Ah oui, un pitch trop facile. Ouais. Tu peux pas rater quoi. Un petit un accord ou deux, un truc un peu rock, dynamique. Ah, et comme ça c'est juste la fin là. Ouais. Non, je vais essayer de battre. Ouais, on peut essayer de faire. C'est des amis au Club Med. Ouais. C'est ça, tu vois, un truc comme ça. Je vais essayer de faire très vite. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Non, en ce moment je commence à parler évidemment. Ok. Attention. C'est Johnny Depp, il est un pirate. Pirate des Caraïbes, évidemment. 2,61. C'était quand même très très simple. Ouais, et après, c'est un peu dégueulasse pour les internautes qui ont quand même un temps de latence. C'est vrai. Je propose. Ah, pour les internautes, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il ne faut pas dire un mot qui est dans le titre aussi. Ah, ok. Ah, plus dur. Ok. Ouais, attends, j'en refais un autre pour voir. J'essaie de battre mon propre record. 2,61. Ah, ouais, j'en ai un très rapide. T'en as un très rapide, vas-y, je te laisse appuyer. Qui spoil, mais bon, je me dis que. Ah, qui spoil là-bas. Ouais, mais ça fait longtemps. Un film bien, non. Il claque des doigts et tout le monde meurt. Ah bah on va pas dire ce que c'était parce que c'est quand même il y a deux ans. Non, c'est chaud. Ah, je l'ai pas vu déjà, ça m'énerve. Bah. Et déjà, je suis stressé. Moi, j'ai lu sur internet partout que celui-là, il y a deux ans. Bon, donc si vous savez, on peut dire que voilà. Moi, j'ai deviné. C'est arrêté après. 9,33. Ouais. C'est arrêté. Ah, je l'ai pas vu. Dis pas. Je suis dégoûté. Mais c'est qu'on a des monos dans le chat qui sont là pour empêcher les spoils. Et toi, pendant le direct. Oh, c'était il y a deux ans. Bah, j'ai cru que pour moi on m'avait dit celui-là c'est bon, c'est ceux qui l'ont. Il y a des larmes, je vois des larmes dans le chat. Hein. Oh bon. Je rigole, il est sans mal. Oh je me suis fait avoir. Tu veux entendre un cours Est-ce qu'on a la réponse du coup alors de celui de j'ai oublié ton nom. Mais oui, voilà, mon soir MP. Joséphine Ange Gardien, c'était ça. Sérieux? Non mais attends, tu peux nous remettre le Discord Valentin parce que du coup il nous faut la réponse de celui d'avant quand même parce que du coup on l'a toujours pas. On est battu. Apparence, c'est ça. Donc Raph avait gagné, bien joué. Bien joué Raph. Nice, OK. Et bah, apparemment, il faudrait qu'on le voit, non, maintenant. Parce merci que beaucoup pour ça. Ça donnait envie. Alors, est-ce que t'es capable de nous en faire un cours sans spoiler? Alors, très rapide. Si tu veux, je lance pour toi. C'était comme le sixième sens. Non, mais World Record. Ah, voilà, on a le record, ça y est, qui vient de clipper. J'en ai un, quoi. Ça me plaît. T'en as un? Alors, attends. On a besoin de Michel 2. Ah, pardon. On va faire un dernier chronomètre. Fais-moi une petite musique. C'est parce que je découvre Twitch. Ok. Et ça marche bien, c'est super. T'es prêt, Jean Twitch? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un truc. Bah, une petite musique parce qu'il faut que je fasse un truc rapide. Ah, donc peut-être faut jouer vite, un bon tempo, peut-être du coup. Ouais. Tu veux essayer de battre leur corps? 2, 3, 4. C'est un mec qui habite dans le sud et qui est muté dans le nord et qui n'avait pas du tout envie d'y aller. Elle a bien dit chez HD. Ouais. C'était très, très, 83. Très bien. Après, je l'ai mal dit, tu vois. J'aurais dû articuler mieux. C'est un mec qui habite dans le sud et qui est muté dans le nord, il n'y a pas envie d'y aller. C'était presque plus une chanson. Mais. Ouais. Ok, 3,83. Attends, je reste recordman, world record. Il y a des gens qui l'ont clippé déjà. Ok, la prochaine fois, on rejouera. J'aime bien. Mais parce qu'en fait, je suis pas parti dans le bon sens. Ils sont. Ils refont le match. Ouais, j'ai merdé. Parce qu'en fait, ouais. C'était trop sur le. Sur magnifique. On fera un classement. 3,83. Pas mal. Hein. Je pense que t'es quand même top 2 déjà. Bah oui. On est pas mal. J'attends qu'on me double avant de. Il est déjà 22h, les amis. On a un bon programme. Je propose qu'on enchaîne directement. Tout à fait. Les Michel, n'hésitez pas si vous voulez rester dans le coin. Si à un moment donné il y a besoin d'un jingle, nous on est grave preneurs. Même si je pense qu'on va avoir besoin de l'un de vous. Attends, combien on peut jouer 6 a... Alors on a Aurélie Pigeon. Et Emmanuel Gann qui viennent de nous rejoindre. Qu'on peut magnifique. Applaudir à deux. Qu'on applaudit à deux. Ouais. Et on va faire un petit jeu avec eux. Attendez, je vais vous laisser de la place. Je vais prendre votre place. Allez-y. Alors, on va se faire. Petite erreur de réalisation. Ça y est, il était temps. C'est pas mal. Il était temps. Bonjour. Aurélie. Oh, bah, j'arrive pas à prononcer ton nom. C'est pas grave. Aurélie Vigeant.
C'est ça. C'était pas mal. Putain, quelle précision. Et applaudissements. Ouais, on va se faire une emote applaudissements. Ça me paraît pas mal pour se la jouer télé. Donc il y a Manu Gann qui va débarquer aussi. Et on va jouer à Use Your World pour ceux qui connaissent. Alors d'ailleurs, si vous avez. Ah bah non, je suis bête, si vous avez le jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu en fait. Connexion failed. Connexion failed. Ah, non, c'est bon, on l'a. Bonjour. Connexion failed, pas mal. Ok, on est sur un. Ah, c'est bon. Ok. Donc. On va partir sur un Use Your World. Oh là là, alors ça, le sommaire qui n'est pas à jour, ça, ça, c'est pas pro. Pendant que tu galères, ouais, je vais préciser, on est donc, on est toujours, parce qu'on n'a pas bougé, au Dinner Comedy Festival. Et vous êtes là aussi pour le Dinner Comedy Festival. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pendant qu'on. Alors, si ça marche. Alors, le Dinner Comedy Festival, c'est plusieurs soirées, je sais pas, 4-5 soirées dédiées à l'humour avec un tremplin de jeunes talents. Il y a 8 artistes qui sont dans une compétition avec un jury qui va les partager, donc donner un prix, hein, tout simplement. Et Aurélie et moi, en fait, on anime les soirées, ces soirées-là. Voilà, donc on est face au public, on leur explique ce qui va se passer, on fait des blagues, des sketchs, tout ça, des chansons, du rap. Ah oui, ouais, j'ai adoré. Magnifique rap. Eh bien, voilà. Écoute, on a 10 ma gueule, si je lis bien, ouais. Qui dit Manu, on te kiffe. Bim, direct, à peine ça rentre. Ouais. Bim, ça y est. En 3 émissions, ouais. On n'a jamais eu ça. Donc. Jamais eu un je te kiffe. On va s'ajouter coup, sur les réseaux, hein, 10 ma gueule. ouais, donc on va, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Use Your World, c'est un jeu tout simplement où en fait on peut jouer sur le téléphone et proposer des blagues. En gros, il y a des contextes de blagues. Des fois, il faut créer une vidéo. Quelquefois, il faut donner un titre de journal en fonction d'une photo. Et donc, il faut proposer la meilleure blague et on vote pour la meilleure blague. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec vous. Vous allez pouvoir aller sur vos téléphones ou sur votre ordinateur sur une URL, vous mettre en tant que spectateur et vous allez pouvoir voter pour les meilleures vannes qui auront été faites, sachant qu'on a joué un petit peu cet après-midi, je suis le pire. Donc soyez sympa. C'est non, pas... ouais, je peux pas influencer. C'est pas le pire. Disons que j'ai pas marqué de points, c'est pas pareil. Restez objectif, mais si à un moment donné je suis à zéro, mettez un petit. Voilà, s'il y a moyen de voter un petit. D'accord, pour moi, ça commence à. Ouais, bah je direct. Quand on fait ça là, ça veut dire que c'est notre réponse. Il y a Tendinit. Pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de soucis. Il y a Tendinit qui demande si à Dinner tu vas rejouer ton sketch de la première partie de Pierre Cross. Putain, les bâtards. On a retrouvé ça. On a retrouvé ça. C'était. Je te l'enverrai si tu veux. Vas-y. Alors. On a dit pas écrit ensemble d'ailleurs. Je veux pas balancer. On est combien? On est 4, on peut jouer jusqu'à 6. Est-ce qu'il y en a qui veut jouer? Tu veux jouer un mot? Moi je suis chaud. T'as un téléphone? Ah, il faut que je joue au téléphone. Il faut juste un téléphone que tu rentres une URL. Alors, vous pouvez déjà. Je peux vous ça, mettre. C'est la première partie du jeu. En fait. On va partir direct. Bien vu, je suis quand même grisonnant. Bim. Par contre, il va pas trouver donc, une place. Je vais. On a déjà l'URL normalement. Celui-ci, c'est le bon. L'URL que vous voyez là, donc vous le tapez dans votre navigateur. Le code, c'est pour savoir à quelle partie vous allez rejoindre. Donc, ça, c'est la nôtre. Et vous vous mettez en tant que spectateur. Et vous allez pouvoir voter avec nous. Et nous, on va se mettre en joueur. Ouais. Ensuite, tu arrives sur cette page. Et là, il y a un petit mot de passe qui a changé, donc je vais tu vous le donner. Les 4 lettres FLNB, là. Tu ouais. Ah. FLNB. Et du coup, ouais, et pas FLNC. Je vais te le rentrer. Ouais, tout ça en gros. Hein. Ouais, de toute façon, ça le met en gros tout seul. Ok, tout ça. Je force. Voilà. Ensuite, I'm a player. Est-ce que j'ai pas d'URL worldsgame.lol. Ah, faut qu'on dise. Ok. Là, faut que je batte player. Hein, c'est oui, ça. Le mot de passe, faut que tu leur dis pas, tu leur écris. Ouais, ouais. Web player. Un player. Et là, il y a un mot de passe à taper. On va vous taper. Parce que sinon, tout le monde peut jouer et c'est compliqué. Sûr. Ouais, c'est compliqué. Puis tu risques moins de gagner encore. Oui, plus ouais, y a de joueurs, moins je risque. Alors, mettez vos vrais noms si vous pouvez pour que les gens soient pas trop perdus. Je vais mettre Joyeux, c'est bien. Joyeux, c'est très bien. Join. Ça ressemble à mon nom. Join, Joyeux. Okay. Ouais, c'est bon, là je suis prêt. Il y a une non sécurisée. Ah, ça a rejoint. On a Aurélie qui a rejoint, on a Joyeux, on a Emmanuel et on a Julien Wynne qui est un petit indice sur ce qui va se passer. Voilà, je vous le dis. J'aimerais tellement qu'il nous éclate. C'est incroyable. Donc là, et Valentin, parfait. C'est ça, on a quelque chose qui. Oui, c'est ça, c'est normal. Ça mouline, comme on dit. Qui mouline. Ça mouline. Donc tout le monde est là. Attends, on est bon. Une banque à Michel. 3, 4, 5. On peut être 6. Je veux dire, c'est bon. Ridicule. Ouais, alors on peut être que 6, donc là je crois qu'on est 7, il y a quelqu'un qui pourra passer. Il y a une chaise là. Non, je suis bien, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai un peu de place, on peut se décaler un petit peu. On peut se décaler, c'est beaucoup moins vieux que j'en ai l'air. Décale-toi, mec. Je suis beaucoup moins vieux que... Si vous nous rejoignez, voilà, on joue... Tu peux prendre une chaise, je pense. Je suis très bien. On joue à Use Your World, vous pouvez...
tapez l'URL qui est ici avec le petit code ici, vous mettez en spectateur et vous pourrez voter pour les meilleures vannes de cette, cette assemblée. Ah, et là, on fait des vannes. Là, c'est ça. Alors, je vous explique, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué, on a joué cet après-midi un petit peu. Mmh. Alors, il y a plusieurs modes, mais en général, il faut compléter une phrase, ou alors il y aura une image qui sera ensuite dans une animation magnifique qui deviendra une première de journal. Donc, il faudra mettre un titre de première de journal avec cette photo-là. Ou alors, des fois, une vidéo où il y aura un premier sous-titre, puis un blanc qu'il faudra compléter pour un deuxième sous-titre. Très drôle, en gros. Mmh. Voilà. Beaucoup d'amusement, quoi. Beaucoup d'amusement, voilà, en perspective. Enfin, bon, j'espère que vous avez rejoint. Dans tous les cas, vous pouvez continuer de rejoindre pendant la partie, je crois. Attends, on a une chaise. Ouais. Si vous avez un diplôme de secourisme, ça va servir. Ah, c'est bon, on a une chaise, ok. Dans tous les cas, pendant la game, je crois que vous pouvez rejoindre un spectateur pour voter. Voilà. Donc, c'est cette petite URL. Il y aura des votes des gens qui vont voter pour nous. Là, on joue pour beaucoup de points. Mais alors, attendez, est-ce qu'on se donne des règles du genre on rigole pas comme un veau quand c'est notre proposition. Truc on peut essayer de c'est tout le sel du truc. La règle qu'on peut se donner, c'est de respecter. On peut influencer quand même. Moi je m'en prie pas. Pourquoi on est que 5 encore? Ah, ça y est, non, je trouve ça pas 3, mal. 3, 4, 5. C'est Michel, il a pas commenté encore. Parce que les Michel, ils sont quand même très très à côté de la plaque. Avec des prénoms pareils. Les Kevin, ils auraient déjà réussi à se connecter. Il y a 20 minutes, je pense. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est évidemment qu'on n'est pas sexiste, raciste, tout ça. Évidemment, évidemment. Bah, voilà, pas trop, mais donc on n'est pas drôle. Bah. Parfois, un petit truc raciste, tu vois. Tu mets ton nom et. On tient à notre chaîne Twitch, Alain. Ouais, mais raciste contre des animaux, par exemple. Genre, si j'ai de la haine sur les chevaux, j'ai de la haine contre les chevaux. Ouais, Michel, ça y est, on y est. Ah, on a Michel, c'est bon. C'est lequel? Donc, des trucs un peu misogynes sur les. Ah, Michel, il joue à deux, il triche, attends. Ouais. Ah, ok, non, d'accord. Bon, tout le monde est là, tout le monde est prêt? Ouais. Ok, c'est parti. Sub de Taito. Alors, il faut que je vous mette du son parce que sinon, ça va pas marcher. Ok, ça commence bien son histoire. Ouais, ça commence pas mal. Vraiment, on a un peu de son. Vous allez voir un extrait de film sous-titré. Tout est très didactique. Un sous-titre est manquant et vous allez l'inventer. N'hésitez pas dans le chat à proposer aussi des idées. On peut les lire quand on aura un peu de temps. Souvent, c'est un peu long. C'est parti. Attention, on le verra deux fois. Ok, j'ai bien compris. Deux. Ah, pas facile le premier. Ok, donc là vous pouvez dans votre téléphone rentrer la proposition. N'hésitez pas dans le chat à proposer aussi. Moi c'est très bizarre ce qui se passe. C'est que. Ah mince. Ah c'est bon. Ok. Nous on a fini. 80 secondes, il reste 80 secondes. J'ai tenté la vitesse aussi, moi, mais. Allez, la vitesse. C'est bête qu'il n'y ait pas un point de vitesse. Il y a 80 secondes pour le faire. Mais après. Il n'y a plus qu'à meubler maintenant. C'est ça. Bon, bah tant pis pour moi. Ça marche pas? Ah, si, si, si. J'ai honte. Ok, ça joue vite. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Valentin, n'hésite pas à lire le chat parce que le s'il y a des propositions. Apparemment, ça bug. Ah, si ça bug, voilà ce qu'il y a dans le chat. Ah oui. Ou pas mal. Le truc plante. Ça drop sale au pire moment. Ah bon, on le voit deux fois normalement. Et coupe la rec peut-être. Je peux couper le rec éventuellement pour voir ce que si ça passe mieux. Il nous reste 40 secondes. Il y en a qui ont tout le monde a joué? Moi j'ai joué, ouais. On le dit de passer. C'est moi. En fait, je suis pas d'une fierté incroyable. Oui, ouais. S'il y avait une fenêtre. Ah mince, il y en a une. On a vous Manu pouvez qui... proposer des, ah, des blagues. Je suis en mode. Vous pouvez proposer des blagues sur le chat. Je vois que certains demandent. Donc oui, on les lira après. Comment on voit qui a joué? Ça sent plus drôle que tout le monde a joué sauf Aurélie, en fait. Il manque le petit ticket d'Aurélie. Ah oui. Ah pardon, t'es à fond, pardon. C'est pas vraiment très long, Aurélie. Ouais, c'est vrai. Et en plus, est-ce qu'on a des propositions? C'est parti, ça y est, c'est parti. Il faudra passer un Ok, c'est un simple. Ça, c'est les Michel, ils l'ont tapé vite. c'est payant. Ça, c'est très dur. Non. C'est peut-être un Michel, du coup. Non, j'aurais pas. C'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, d'accord, on sait. C'est signé donc. Qui a mis ça? C'est pas mal. C'est un peu de l'humour de vie, mais c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Tourneur de phrase. Très bonne tourneur de phrase.
Bah, en tout cas, ah ça là peut là. Alors. Donc là, il faut voter. Donc normalement, les gens qui ont rejoint, si vous avez rejoint sur l'URL, vous pouvez voter aussi. Pour votre préféré. Et alors, ouais, concernant. Là, sinon, je suis obligé de voter pour quelqu'un d'autre que moi, c'est ça ? Eh oui, voilà, il a essayé, il a tenté. Alors, juste, oui, les techniquement. Nages de cases, est-ce que c'est encore une horreur pour vous ? N'hésitez pas à nous oui, le dire. Oui, c'est ça, nous dire si c'est digeste, tout ça. Là, faut peut-être qu'on passe en 480. Ah, alors, s'il faut passer en 480, malheureusement, je sais pas comment on fait pendant le stream. Donc, je peux le faire ici, tu crois ? Toi, t'es Michel Delpech. Sorti. Je te dirai après. Mais vote pour. Ouais, on profite de la petite latence là pour essayer de régler les problèmes techniques. N'hésitez pas à nous dire, on voit pas. La fin des phrases. Alors, est-ce qu'on pourrait. Bah, on les a pas, on n'a pas les réponses là. La fin des phrases ? Pourquoi on voit pas la fin bah, ah ça, oui, avec ça, le. Saccade, ça... Non, je pense que c'est à cause de ma caméra, ça. Ça, c'est pas. Ok. Ça, c'est réglable. Voilà. Mais en revanche, en ce qui concerne la connexion, les amis, faut totalement relancer. Ouais, c'est à ça. Quelqu'un dit, franchement, ça passe. Franchement, ça faut passe. Faut totalement ouais. Relancer. Non, mais il faut relancer pour passer en 480. Ah. C'est ça le truc. Bon, écoutez, si ça passe, on va rester là-dessus. Alors, on est en train de louper les votes là. Non, j'ai pas fini, j'attendais justement, je laissais avant de voter. Il reste 20 secondes. Moi, j'ai voté. Il y a eu du beau quand même, hein. Franchement là il y a eu des belles propositions. Il y a rien qui était vraiment horrible quoi. Ouais. Peut-être, si on peut quand même dire qu'il y a quand même le mot cul, alors qu'on avait dit pas de racisme. Ouais. Je peux vous préciser aussi que quand on n'a pas d'idée, on peut mettre House Decoy, ça propose un truc en contrepartie. Et si on a le malheur de voter pour un truc comme ça, on perd des points. Ah. Bim. Allez. Oh là là! On est beaucoup à zéro! C'est tout. Là, il y a une petite vexation. Mais 6, hein, c'est ça. Ah, je pense qu'il n'y a pas eu assez de votes là. Il y a eu un petit bug, je pense. Ah, mais les gens n'ont peut-être pas pu voter non plus. Ah non, et puis je pense ouais, que. Ouais, je pense sinon on n'en serait pas là. Je serais beaucoup plus. Bon, en tout cas, on a un article de journal. Là, on a une de journal, les amis. Ok, pas mal. Ça va arriver sur un journal. Ah, faut qu'on écrive. Ouais, là, il faut faire une proposition. On va avoir 90 secondes, un truc comme ça. Putain, n'hésitez pas à proposer dans le chat. Valentin, tu pourras lire aussi après si les gens ils proposent des trucs. Hein. Ouais, je suis très concentré. Là, je vois ça. Putain, elle est pas facile, celle-ci. Pas facile. Ouais, pas facile. 90 secondes. Alors... Oui, on va lire les réponses parce que du coup, les gens qui pourront pas les voir nous entendront la dire. Ah, mais c'est peut-être parce que oui, c'est moi qui file la 4G et que je suis obligé de jouer sur la 4G. Ah, ça peut poser une petite difficulté en effet. Ouais. Bon, après, tu t'en vois pas beaucoup, je pense, mais. Oui, mais le wifi n'arrête pas de. Il saute. Ouais. Partager la connexion. Ouais, mais là, ça va. Parce qu'on 40 secondes. On serait obligé de relancer. 40 secondes. Parce qu'on a des propositions. Pour ceux qui ont voté, n'hésitez pas à lire ce qui est proposé dans le chat si ça propose des trucs intéressants. Ouais, il y a AlterCat qui propose Yep. Alors, ça. C'est pas mal. C'est pas une grosse concurrence hein, sur, pour l'instant. Ouais, t'es dur hein, parce que les gens, c'est pas mal. 30 secondes. Oh là là, faut tout donner. Là. Moi, j'ai donné. Moi, j'ai mon petit ticket. Je dis pas que c'est bien. Encore une fois, je rechoppe mes vieux démons, moi c'est pas du tout. Ouais, je vise un bon zéro quoi. Ouais, moi aussi. Je suis très sur le pingouin. Je suis sur un zéro. Allez, c'est parti, 8 secondes. Moi j'ai déjà oublié, donc c'est que ça devait pas être incroyable. Parce qu'on a des propositions. T'as gagné, Julien ? Julien Win, ouais. Ah, mais moi je suis sûr. Non, je suis bon. C'est moi qui ai écrit ça. Attention, un vieil homme signe un pacte avec le diable, les conséquences de son geste. Ouais, ça marche. Ouais. Dans quel sens faut visser ? C'est pas mal. Ouais. Pas mal. Il possède 14 trous d'oreilles, une explosion retentit. Mais puisque je vous dis que c'est pas un masque. Quoi ? Attends, je l'ai pas. J'essaie de lui enlever son masque. Ah putain, ok. Non, c'était très très drôle. Oui, j'ai pour la partouze. Philippe Le Gros Lec est légèrement tendu. Une nouvelle technique de lifting tourne au drame. Pas mal. Pas mal. Pendant les votes, est-ce qu'on a des propositions ? Il découvre la véritable identité du groupe Frenetics. Petite dédicace, on aime, ça me plaît. Oh, il n'y a pas celui des Michel. Oh merde. Il n'y avait pas le vôtre ? Non. Vous n'avez pas validé, je pense. Et non. Et en même temps, vous êtes deux, vous trichez. Oh merde. Non, il était parti, je te jure, j'étais tout seul. Pour ceux qui sont sur wordsgame.lol et qui ont tapé FLNB, vous pouvez voter normalement. J'espère que ça marchera cette fois-ci.
On a 72 secondes. C'est quand même très long pour donner un avis. Hein. Franchement. Ah, avec le délai, je pense que ça fait moins. Mais Michel, on n'a pas voté. Ouais, mais c'est par rapport à tout à l'heure. Mais avouez que Michel 2000, ça fait vraiment un gars. Il y a une vieille boutique de chaussettes. Pour moi, c'est votre album. Hein. T'as pas le t-shirt? Non. Michel 2000? Oui, on a Michel 2000. C'est pas vrai. Ouais, parce que c'est ah, bon ils ont ah. voté. On a voté. On ah, a ça vote. Voté. On a voté. Ouais, on a parce voté. Que je laisse un petit peu de temps parce que vu qu'il y a un petit décalage avec le stream, je préfère. Il y a une question pour toi dans le chat, Julien. C'est lequel des Frenetics? C'est lequel des Frenetics? Moi, je ne fais pas partie de Frenetics. Mon petit, t'as pas voté là. Bah, j'attends un petit peu, je laisse. Arnaud, laisse ouais, je pense que les gens entendent. Fait, Ah ouais, t'es vraiment au fait de l'actualité. Non, pas celui-là. Ok, finalement, ça, avec du recul, j'aime bien celle-ci. Alors, on a le masque. Oh 1000 points. Ouais. Pas mal. Je pensais pas. Avec du recul. Avec du recul. Ouais, ça oh ça, c'était un house decoy, je pense, c'est pour ça. Ah. Alors attention, appuyez pas sur House Decoy, ça va proposer un autre truc. Hein. Mais peut-être pour ça, Michel. Peut-être pour ça, Michel. T'as dû appuyer sur House Decoy au lieu de valider, non? Non, ah, je te jure que non. Ça m'a fait ça tout à l'heure parce que pour rallumer mon écran, j'ai appuyé avec mon gros doigt. Attention, on enchaîne. J'ai juste appuyé trop tard. Est-ce que, vous avez... Est-ce que ça marche pour vous, du coup, Internet? J'ai l'impression que. Là, il faut combler. Bon, c'est un texte à trous. Très simple, texte à trous. Ça me gêne pas que tu rajoutes de l'ananas sur la pizza, par contre, je supporterai pas. Ouais, ok. Si tu mets de l'ananas, je te gifle. Mais garde tes idées pour toi. Putain, il a des punchlines, lui, il les balance. Ça me gêne pas que tu reviennes sur la pizza. T'as la concentration. Ah ouais, c'est chaud. Putain, j'ai l'air là, je suis un peu sec. Ah ouais, mais c'est pas, c'est pas facile, je me rends compte que j'ai pas du tout d'humour sur les pizzas. Ouais, c'est un humour particulier. Ouais, ouais. L'humour de pizzaiolo, non. Ça me gêne pas que tu rajoutes de l'ananas sur les pizzas, par contre, je ne supporterai pas. Ah, les gens disent qu'ils votent, mais ça ne rajoute pas de points. Ah, bah oui, sinon je serais vachement mieux. Bah ouais, c'est vrai. Aussi, pareil. Que Macron. Ou alors peut-être qu'à la fin, ouais. J'ai jamais fait de test, peut-être qu'à la fin, on a des points bonus, un truc, c'est possible. On va voir. On va prier pour ça. Donc continuez à voter, on verra bien. Sinon à la fin vous nous direz qui a gagné. 60 secondes, c'est pas facile celui-là. Hein. C'est un que tu rajoutes de l'ananas sur la pizza. Enfin, c'est pas facile d'être drôle avec celui-là, parce que tu peux, ouais, tu peux y aller. Hein, ouais, on a dit pas de caca, moi, tout ça. J'ai plein de phrases. Hein. Ouais, enfin, j'ai plein de phrases, mais c'est pas bien. Moi j'ai encore l'ananus en tête. Vraiment. Ah, mais c'est quoi, je te l'offre. Allez, vas-y. Oh, allez. Et si tu gagnes, j'aurais plus partie de ta victoire. Alors attends, ça me gêne pas que tu rajoutes de la soda. Oh putain, 30 secondes. Ouh là là, la tension est palpable. Ouais, je pense qu'on devrait mettre un chrono. Ouais, parce qu'en fait c'est très très long. Ouais. Mais jouer la vitesse, ouais, ouais, quand on est jouer la vitesse, c'est qu'après les gens ils peuvent pas proposer des choses dans le chat. Moi j'ai zéro en tout cas. Je suis quand même assez fier parce que. Je suis pas meilleur en rajouting de trucs qu'en pingouin, tu vois. Qu'en lancer de pingouin. Tu es stable. Ah oui, c'est vrai. Bah si, parce qu'en lancer de pingouin, maintenant j'ai progressé, quoi. Mais en même temps, si les gens votent pas, allez. Ça bah, se trouve. Merde, je l'ai pas fait. J'ai oh peut-être non, fait trop tard aussi, trop moi. Trop tard. Les tombes en pain d'épices. Les tombes en pain d'épices, ok. Dans le chat, on a que tu rajoutes du caca. Mais le caca. Pas loin de ma proposition. Que tu mettes des lardons dans le dos. Ah, pas mal, pas mal. Mais sur de la nourriture. Ouais. J'ai bien aimé. Que tu t'en serves ensuite comme chapeau. Ouais, c'est marrant. Ouais, j'aime bien. Ouais, absurde. Bah, c'est un Michel, ça. On est sur une vanne de Michel. Non, non, ok. Je supporterais pas. Pizza dans un chapeau. Ouais, et donc bah, la phrase est carrément pas. Ouais, là, ouais. C'est quelqu'un qui a lu par-dessus l'épaule de l'autre qui a mis le chapeau. Et t'as pas ta gueule plus longtemps. Ah, pas mal. C'est pas mal, ça. Ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas les nôtres, du coup. Je supporterais pas que tu chies dans mon assiette. Mais c'est peut-être les gens qui nous les proposent. C'est pas que nous. On a eu aussi. Pour la dernière. Je ne supporterai pas la pizza sur l'ananas. Ah, on a eu ça dans le chat. Ah, pas mal, pas mal. C'est, pas mal. Petite, c'est joli. Donc, moi, je trouve ça mieux que ce que j'ai fait, par exemple. Bon, n'hésitez pas à voter, du coup, alors, si vous pouvez. Et on verra à la fin. Si ah là, moi, je vais perdre gratuitement. Ah là, j'ai... Ouais. J'ai merdé, les gars. Je suis sur cette manche. Oh, non. Ça, il y a un petit... Non, il y avait quand même des bonnes propositions, là. Moi, j'ai quand même réussi à stagner, tu vois, sur cette manche. J'ai réussi à garder mon niveau. Et ça, on peut pas dire la même chose de tout le monde. C'est clair. Mais faut pas être fort. Sur tous les jeux, toi, t'es une constance, régularité, ouais, incroyable.
Mais attendez, parce que je suis hyper rigolo dans la vie, mais là, j'ai un manque d'espérance. J'ai paniqué aussi. Cet après-midi, j'ai paniqué, je te rassure. Ouais. Oui, on avait bon, voilà, tu ne brilles pas non plus. Hein. Oui, alors attends, là, ça n'a rien à voir. Pizza dans un chapeau. Et bam, ouais, j'ai un point. Il prend des points. Attends, je ne supporterais pas pizza dans un chapeau. Ouais, j'ai trouvé ça super. Mais. Il a juste triché sur moi avec le non, non, c'est un mousse d'écueil. Oh là là. Non, mais en fait, ça se trouve, c'est des proposés. Non, mais c'est moi, j'ai pas voté. Enfin, j'ai pas mis. Ouais, ça, je savais que c'était. Julien, tu sais ce qui s'est passé? La pizza dans un chapeau, c'est un use. Ah, je pense que c'est ça. Alors que moi, te t'en sers comme chapeau, c'était vraiment. Je voyais, prends la tête. Et Michel, alors qu'ils sont pas drôles normalement. Okay, on sous-titre. Les gens trouvent quand même que c'est un peu long les manches. Moi, je propose qu'on mette un petit. Okay. Ouais. Un petit mousse. Entre un nous, on se les ouais, grave. On dit 20 secondes. Okay. Allez, 20 secondes. 20 secondes. À combien on s'arrête? À combien on s'arrête? C'est ça sur la question, parce que sinon ça va être compliqué. Il y a 90 normalement. À combien on s'arrête? 70. 70. Ok. Non. Non. Ok, à 70 on s'arrête. Mais non, mais ça m'énerve. Ça fait un truc où genre vous déco... J'avais un truc. À 70, mais... attends, ça laisse 10 secondes, c'est pas du tout assez. Non, non, 60. C'est passé un drame, les amis, là, j'ai pas de problème. J'en ai une qui. Non, moi j'ai qu'à moitié lu parce qu'on était sur la technique. Moi je pense que ça peut faire un bon zéro, ça. Je suis assez fier. Il reste 5 secondes. Ah, c'est une horreur. Je l'ai. J'ai même pas le temps de. Fini, allez. Bien. Oh bah je l'ai mal écrit du coup. On lâche les assiettes, on lève les mains. Peu. Là c'est trop peu. C'est parti. Ouais, mais là, on est là où on voulait pas aller. Ouais, c'est ça. La meilleure chose. Très très drôle. Très très drôle. On a Rennes et champion de France. Ah là, on a tous les deux. Pour moi, c'est disqualifié. Y a pas une faute d'orthographe pour. Ah merde, c'était vraiment bien. J'avais pas le temps de écrire comme il fallait. Ça, c'est un truc de jeune, ça. Ouais, je savais que j'aurais pas le temps d'arriver là-dessus. Que... si, peut-être. Ah, tu vois. Ça va. Ah oui. Pas mal. Très drôle. Il y a du niveau sur celui-ci, là. Alors. J'ai voté pour toi, tiens. Allez, attends, les gars, c'est vraiment les deux mêmes, vous avez écrit exactement la même chose. Coup, c'est dingue, ah non, il y a un point, il y en a un qui a un point et l'autre non. Alors, ça non, la phrase finie, moi je mets. Bah la phrase voilà. Pas finie. Moi je pense que c'est. Ça me paraît. Celui qui a mis un point. Bah moi je suis d'accord. Pourquoi on voterait pas pour celui qui a été le plus rapide? Bon, parce qu'on ne sait pas. Ah non, sinon on s'en prête. Moi je dis rien. Il y a peut-être moyen que j'ai zéro, je crois que je vois. Bon, la prochaine, on partage. Tu sais que si j'ai des points là, je saurais d'où ça vient, Arnaud, je saurais te le rendre. Manu, la prochaine, on partage. La prochaine, on partage. Alors, moi, ouais. je sais pas ce que t'as écrit. Ah, si, t'as écrit déjà. Ah, j'aurais pu voter pour toi. Parce que vraiment, je sais vraiment, t'as pas voté pour moi. Non, mais j'ai donc, Michel, il faut que Michel vote. Ah, faut appuyer sur vote. Oui. Ok, l'écureuil, 1000 points. Oui, d'accord. Ça prend des points là-dessus, ok. Eh oui, c'est étonnant. Oh non! Ah, j'en prends pas beaucoup. Bah, tu rigoles ou quoi? Tu passes devant de ouf. Oh là là. Ouais, elle était énorme celle-là. C'est le point qui a tout fait. Ouais, j'avoue que moi je finis mes phrases quoi. Ah, en réalité, t'es mais en tête. Je suis en tête. J'avais fait la même alors. Je suis tellement à la traîne. Ok, la une de journaux. Ça, c'est marrant. J'ai l'impression que ça va être pourri. Tu check le. Ouais, je regarde. Oh mazette. Ok. Attends, on a combien de temps? On arrête à 50. Il y en aura un au bout d'un moment. On arrête à 50. Ok. Allez, 50. Oh, j'ai zéro idée. Je vous présente déjà un petit peu mes excuses. Je suis peut-être allé un peu vite. C'est beau des gens qui réfléchissent. Mm-hmm. Ouais. C'est chiant. Merde, je sais même plus comment on l'écrit. 50, ça va. 50, ça me paraît assez honnête, franchement. C'est dans 15 secondes. C'est très très bon. Et j'assume cette mollesse. Mais pareil, moi aussi. Mais j'avoue que c'est très bon. Maintenant, j'ai 2000, de toute façon, comme optique. Je suis hyper content. Attention, 53, 3 secondes.
C'est validé. Putain les gars, vous êtes forts. Comme dans Top Chef, hein. Ah là, on l'a la ref Top Chef. Hein, merci, merci. Ah merde, je l'ai loupé. Devine quoi? Devine ma malice. Ok, ouais, il se fait greffer un corps en plastique sur ses mains. Hein. Pas mal, j'aime bien moi ce que les dons pour la vénile de Milo ont moins marché que ceux de notre femme. Ouais, mignon. Ok, ouais. Welcome in the new world. Ah bah, j'assume. Je vous l'avais dit. Ok, passe-partout sort de mon corps. En fait, je vous avais parlé tout simplement d'assumer vraiment une mollesse. Ouais. Incroyable, une statue d'une femme chauve. Ah mais c'est une en fait, c'est ça aussi. Ah, j'aime bien le côté, le gars, imaginez le gars derrière. C'est vrai que c'est pas, c'est une une, c'est pas que la photo... Ouais. Ok, pas mal. Non, il y a eu du bon là. Qu'est-ce qu'on a eu Moi, c'est pas moi, vraiment j'assume. On a eu elle naît avec les coudes à la place des intestins, découvrez son quotidien. Allez, je vais donner des points. Pas là. Mal, pas mal. À tous ces ringards là, qui n'assument aucunement la mollesse. Ok, tout le monde là. Qui a pas voté? J'ai pas voté. Julien Win. Julien Win qui n'a pas voté. Pour l'instant, on est plutôt bien parti, j'ai envie de te dire. En fait, c'est vrai que ce jeu est bien. Moi, je s'il y a du rythme. Oui, je crois que c'est ça. Non, mais je laisse le temps aux gens de rien voter. Rien de signé, l'arrêt de notre émission. C'est fou. En direct, en plus. Moi, je sais que j'ai fait ce merde. C'est parti. Alors. Ok. Hop là. Non, mais j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Je me refais. Ça, c'était très drôle. Ah. Allez, oh là là. C'était quoi? C'était le gars? C'était les dons pour la Vénus de Milo. Moins bien marché. C'est très bien. La culture et la culture. Des fois, les blagues intelligentes l'emportent. C'est vraiment con, moi. Ok. À ton petit côté Laurent Baffy, là, tu nous as dit. Fill the blank. J'ai hésité avec la bite. On a tous une force intérieure. Certains l'appellent le karma. Moi, je l'appelle. Oh non. Ça peut déraper. Oui, attention. Donc 50 toujours, hein. Ouais. 50. Ah, mais okay. Là, il est où le chrono? Mais là, il a débarqué. C'est dès que le premier répond après. Ah, c'est possible. Moi, je l'appelle. Ah, j'ai envie de faire encore une grosse mollesse, mais c'est pas bien. Faut arrêter d'être nul exprès, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. Merde, j'allais faire ça. J'entends, t'es. Ah! Oula. Attends, personne n'a mis là? Ah non, je suis perdu. Ok, c'est bon, je lance le décompte. 90. Et là, on a combien de temps? Là, je saurais pas faire le calcul, mais jusqu'à 50. Certains l'appellent le karma, moi je l'appelle. On est sur un, sur un 30 secondes. Je viens d'avoir. Au moment où j'ai validé, j'ai eu une vanne de dingue. Oh merde. Tu veux me mettre? Non. Arrête le stream. On arrive. Tu verras que moi c'est l'inverse. J'ai vraiment jamais eu de vanne à aucun moment. Attention, 10 secondes. On a une panique là. Non. Ils sont à deux. Il y a une coop quand même qui s'est mise en place là. Je me suis retrouvé sur la page Google. De quoi? Oh là là. Attention, c'est parti. Certains l'appellent le karma, moi je l'appelle karmo, mais c'est parce que je prononce mal. Pas mal. C'est très drôle. Moi je trouve ça drôle. Certains l'appellent le karma, moi je l'appelle à se retirer de moi parce que ça commence à faire un peu mal. Ok, la présentation. Ouais. Moi je l'appelle Yves, ouais. Ah, ça c'est pas mal. Moi je dis bravo. Pas mal. Oh là vous me faites rire. Certains l'appellent le flan. Ok. Ouais. On a tous une force intérieure, certains l'appellent le karma, moi je l'appelle. La tarte, pas mal. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Un petit jeu de mots. C'est interdit. Ah. Je l'ai pas, personnellement. Je l'appelle la tarte. Pipoupoune. Ah d'accord, ok. Certains l'appellent le karma, moi je l'appelle pipoupoune. 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 D'accord, qu'on salue, super. Pipoupoune. Là faut voter pour quelque chose. On cite des streamers. Ouais, moi je vais voter Michel. Ouais. C'était efficace et en fait. C'est... Simple, efficace, drôle. Non, ouais, j'étais plus dans les votes. Ah, je crois qu'il y en avait un autre. C'est comme. Je m'en fous. On a une disqualification quand même là, non? Mais moi, je suis vraiment sur de la mollesse complète. Et là, je suis dans un mauvais mood, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Et du coup, c'est pas bien. Moi, je l'appelle. Moi, je l'appelle pas. J'ai vraiment pas de chance. Ma vie, c'est de la merde. Mon chien est mort ce soir. J'imagine, je vois pas la fin. Peut-être que si j'étais bourré, et ça j'y pense pas assez. On a les Michel qui sont. Même pour les votes, on va mettre un. En PLS technologique. Mais mets la luminosité. Ah, Michel. Le Carmo, ouais. Oh quoi mal, c'est pas mal mon jeu. Ah, si c'était drôle. Et là c'est Yves qui ramasse. Ah, c'est pas cher payé, hein. Il a mis. Non. Mais non.
Mais non. Alors en plus j'en ai un peu soudoyé hein, parce que il débloque un succès. Il a acheté mon vote. Mais non. Il a débloqué un succès sur Steam. Sur Yves surtout. Je trouve ça très bien. T'as vraiment du mal avec tes prénoms. T'as pas été le meilleur point barre. Non, sur Yves. T'as pas entendu. Oui, mais t'as pas dit. Tous les sarcasmes. Dis quoi? T'as pas dit. T'as été le plus bon. Attention. Alors on est dit pour info, on a les réponses quand vous commencez à voter. On n'a pas de délai. D'accord. Bon. Okay. Là, 90 secondes, c'est de la rapidité. Là, il y a beaucoup moins de temps. Et ça va s'enchaîner, on aura les réponses qu'à la fin. Donc, c'est quoi? Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Quel devrait être le 11e commandement? C'est un autre commandement de ça. Donc, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Le 11e commandement. Oui, d'accord. Pourquoi spécialement le 11e? Oui. Elle disait oui, d'accord. Ok. Oui. Un plus. Oh la vache, on part de loin. Ouais, ouais. Attends. Concentre-toi. Là, il nous reste 20 secondes, c'est ça? Ok, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Ouais. J'ai fait une connerie, je te le dis. Parce que j'ai mis Yves, du coup. Ah, t'as remis Yves, c'est bien. Non, mais on va jusqu'à 40. On va jusqu'à 40. Ah bah, et. Je voulais pas. Normalement, c'était 50, Yves. Les gars. Ouais, mais ça a commencé tout de suite. Le temps, on a commencé pas du tout. Moi, je croyais qu'on allait. Jusqu'à 30. On est sympa. 10 secondes, les gars. On nous dit tu ne coucheras pas avec la femme de ton meilleur ami. Okay. Tu referas le sketch chanson pour enfants. C'est déjà un commandement ça en fait. Faut-on la pression. Allez, mais c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Attendez. Non, c'est quoi. Là, on pourrait dire que c'est fini là. Ouais, c'est fini. J'ai rien. Attends, on est au chiffre. Ouais, Ouzikoy, il faut que tu mettes un truc. Ouais, pardon. J'ai pas entré. Citer un ingrédient qui ne devrait jamais se trouver sur une pizza. Ah, on dit thématique un pizza. Ingrédient, hein. Oui, mais bon. Pas le caca, quoi. On a dit le caca. Tout ce qui est... Plutôt, on part sur du culinaire. Hop là, 30 secondes, les gars. J'ai voté, je vous mets une Ah putain. J'ai vu ta réponse. Et t'as un esprit malade, il faut que tu le saches. Non. Oui. Ah ouais, Julien Wynne, bah pas tellement. En termes de rapidité. Quoi? Attends, combien de Michel? Attention. Pas mal, tu ne diras Michel, pas. Attention. Il devrait y avoir un truc de rapidité aussi. Ah oui, il y a eu, tu diras plus. Je pense qu'on peut dire à partir que tout le monde a. Ouais. Mais il tape à deux. Il tape à deux. À deux à l'heure même. On pourrait fixer pour la prochaine, non, mais que quand tout le monde a joué sauf un, il reste plus que 10 secondes. Ouais, ouais, en fait, c'est ça, ouais. Attention, ça enchaîne. Quel serait le titre d'un film sur votre ex? Un vrai film ou... Je pense qu'on accepte les deux, les vrais et les faux. Là, il y a moyen de... Putain, c'est chaud. Vous êtes long, les gars. Oh putain, le bâtard. Non. C'est dur. En fait, c'est plus facile avec un film existant, quoi. 11 750, t'es quand même. Quel serait le titre? Oh merde. Ah, mais c'est faire un titre qui est existant ou pas du tout en avance? Je pense qu'on va mettre les deux. Ouais, avec un titre existant, c'est plus facile, mais. Mais là, je regrette. En fait, ça marche sur tout. Mais oui. Non, mais là, Yves, quand même, ça aurait. Ouais, c'est terminé, Yves, là? Non, non. Ouais, ça aurait été bien. Là, il était bien. On a très envie. En plus, Yves, c'est ce qu'il y a de plus payant pour l'instant. Elle est venue, elle a vu. Ouais, on sait pas si on doit le dire en fait. Bah, t'as regretté quand t'es arrivé. Intouchable. Intouchable, ouais. Intouchable, c'est pas mal. Donnez-moi des idées. Grave. C'est dur. Ce rire est vraiment inutile. 14 secondes, 13 secondes. Pourquoi d'un coup on a le droit. Je vais faire mon premier House Decoy. Pourquoi tout à l'heure on mettait. Mais un film marrant. T'as 5 secondes. Retour vers le futur, là ça marche bien. Voilà, le gendarme et les extraterrestres. Ouais, parce que t'as envie d'y retourner, tu vois. Ouais, et c'est vraiment joli. Ok, lourd. Je l'ai mis. Ah, c'est parti, les réponses. Donc, le 11e commandement. Tu ponctueras tes phrases avec un point. J'aime beaucoup. Le 11e commandement, point. Ouais, c'était l'évidence. Mais, petit running gag, on aime bien. Ouais. Le 11e commandement, tu me reliras tout deux fois parce que j'ai l'impression que t'as pas pigé. Ah, petite erreur. Tu me reliras, il y a un S. Ouais. Je le dis. Tu nous zoukras pour point. Les gens, faut rater. Pas mal. Tu te zoukras point, c'est quand même pas mal.
Tu ne parleras pas la bouche pleine. Ouais. Mais on était un peu speedé. Ouais. J'ai pas mis ça. Le film avec Youn, là, non? Voilà. D'où le. Ouais. D'accord. D'où le, ouais. Onzième commandement. Il faut voter, reste. Faut voter. Ah, on vote, pardon. Alors, ok. Attends, il y a eu pas mal. Franchement. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Le chat, c'était le film menace La Menace Fantôme. Fantôme. La Menace Fantôme, pas mal. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est 22h30. Un ingrédient qu'il ne devrait jamais être sur une pizza, un album de Johnny, ça s'écoute. C'est vrai. J'avoue. J'ai beaucoup de logique. Un genou. Putain, je voulais mettre une jambe, je me suis dit, genou mieux. Le petit Grégory. Et voilà. Allez, on est à la limite. On est à la limite. Allez, humour raciste. C'est une autre pizza. Ah, c'est, oh, vrai. C'est de l'absurde. C'est poétique. C'est une calzone. Ah, mais Yves c'est pas moi. C'est moi qui ai un truc. Putain, il y a Gad Elmaleh qui joue avec nous. Alors là, il y a eu la panique. Là, il y a eu la panique. C'est les Michel qui ont paniqué. Non, pas du tout. On peut parler d'un ingrédient qui n'existe pas tellement. Voilà. Il faut voter. Ah, pardon. Alors. Je vote la poésie. Juste parce que je sais que c'est pas Valentin, je vais voter. Ouais, que... Ah, attends, il m'a fait le regard de peut-être c'est lui. Bah non. Pourquoi tu me réagis? Bah c'est ce qui m'a fait plus rire. Il va tous. C'est quand même Yves, ça rentre sur beaucoup de choses. Alors, le titre, voilà, sur le film, L'homme invisible. Ouais. Ouais. Mmh. Tout le monde avait... Ouais. Godzilla. Ouais. Référence, ouais, ouais. Ouais, on est sur une mouais manche. Là, vous votez pour moi. Ça, c'est vraiment minable. Mais c'est bien. J'ai une fiche appartement. Très bien, okay. Très bien vu. 10 bonnes raisons de te larguer. Ouais. C'est vraiment la grande du mouais. On est vraiment sur du mille. Sauvez oui. Ouais. Attends, on est toujours sur... Ouais, ok. On est pas loin, ouais, c'est Yves là. Yves. Toujours Alex. Ouais, Yves, ça marche partout. Ouais. Bon, voter. Là, c'est fini. Ah oui, faut voter, ok. C'est chaud quand même, là. Je rappelle qu'on est, on travaille tous dans la comédie. On joue beaucoup. Ouais, on a pas cette passion-là. On peut réécrire en venant en disant non, c'est pas possible. J'ai pas mis Yves, quoi. Là, on peut vraiment rentrer là-dessus, quoi. Ah là 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 là. C'est dur, hein. J'avoue que ouais. Non mais Valentin, allez. T'as trop de points. Ouais, là, on va avoir les réponses, non? On a tout fait tous les trucs, non? Alors nous, on a bien débarré, on a stack déjà un peu. Allons, 11e commandement. Alors ça prend combien de points? Hop là. Ça monte. Ah ouais, moi je t'ai payé pour toi. Oh, ça zouk. Le running, Valentin. Payant. J'ai souligné la panique. Merci. Une autre pizza, ok. Ah oui, j'ai voté pour toi. J'arrête pas de voter pour toi. Un genou. Oh là là, Aurélie, la vache. Elle s'envole. Aurélie décolle. En fait, t'es vraiment le plus drôle, quoi. Mais pour moi, Godzilla, ouais. C'est un peu l'esprit. Ouais, c'est un peu mou. Oh non, tu me dégoûtes. Tu sais quoi, je quitte cette émission. Ok, le classement final. C'est très sérieux. Oh, la remontada que je vous ai jouée. Un win qui win pas tellement. Ouais, mi win quoi. Alors. Et. Le Golden Joker Award. Ah, Valentin, The Dirty Bird Trophy. Ok. Pourquoi? Tu es un oiseau sale, un oiseau. Tout ça grâce. Oh bah d'accord. The Free Speech. Ah, j'ai tous les trucs. Non, ça c'est pas moi. C'est quoi ça? On sait pas vraiment à quoi ça correspond. J'ai un truc. Mais bravo. J'ai un truc. Y'a pas la loose et tout. Pas mal. Merde. Bravo à tous, on avait des dernières propositions, bah non, c'était les résultats. Ah, GG. Superbe. Eh bien, on va continuer dans la culture avec un super jeu. Mais moi, il va falloir que j'y aille. Je propose. Ah, bah, tu peux. Il est quelle heure? Tu veux? Ah oui, non, sauf si on fait le. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, mais en vrai, ceux qui doivent partir, partent, il n'y a aucune. Et ceux qui veulent rester, restent. Il faut que j'aille me changer, tu vois, je vais pas rester. Bah, ah bon, quoi? T'es mieux, hein? En fait, t'es mieux. T'as un costume, t'as un truc, t'as un maquillage? Eh ouais, j'ai du blanc partout, là. Putain, mais dites-le aux gens. Fallait pas me dire l'heure, ça rentrait. Joyeux ou quoi? Ouais, c'est pas ça, non. Et je vous jure que si j'avais été maquillé autrement, j'aurais pas fait 6000, hein, j'aurais fait 14000. Aurélie, si tu gagnes, on veut une chanson. Est-ce que ça serait pas l'occasion? En plus, on a des répétitions. Ouais.
Allez. On avait répété. Bah oui, ils ont fait ça tout ça tout l'après-midi. Mais c'est le cousin d'Aurélie qui connecte le chat. C'est 10, ma gueule, toujours. Très bien. Ouais, on peut se faire ça ou pas? On peut carrément faire une chanson. Ouais, mais quoi comme chanson? Est-ce que vous ne feriez pas celle de cet après-midi? Non. Elle est trop courte. Allez, non, ah bah elle est courte, elle était belle, mais... Alors attendez, je vais quand même dire au revoir à mes amis internautes, parce que c'est très à la mode. Merci les amis internautes, en tout cas on a vécu un moment incroyable, et grâce à vous en partie, et surtout grâce à mes amis, merci de m'avoir invité. Wow. Merci à toi. Wow. C'est quoi, je vote pour toi, 1000 points. Bah c'est gentil, points. Et du coup c'est Gann qui passe dernier. Merci. Alors, merci, ce qu'on va vous faire, c'est une chanson des Bengals à la base, donc c'est... Eternal Flame, mais comme les Michel font du français, on a fait une petite traduction. Ah. Et surtout, non, il n'y a pas de surtout. Ouais, installez-vous là. Attends, je vais te dire si vous êtes bien dans le. Ok. Dans le. Oh, oh là là, c'est quoi? Je vais même mettre l'autre micro. Une fois, vous êtes beau, c'est bon. Panique. Panique à l'arrière. Ça y est. Ouais, bon. Ferme tes yeux. Donne-moi ta main, chérie. Est-ce que tu sens mon cœur battre? Est-ce que tu comprends? Ressens-tu pareil? Suis-je en train de rêver? Ou est-ce une flamme qui brûlera jamais? Demain, nous sommes destinés, chérie. Maximum de flammes dans le chat, ça a plu à beaucoup de gens. Faut le dire à l'anglaise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup les amis. Alors, nous on a prévu un autre petit jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer à l'incruste légumes? Bien volontiers. J'aime bien la réaction. Alors, l'incruste légumes. On peut pas jouer à trop, on peut pas être trop nombreux. Vous êtes pas obligé. Faut accepter sur le titre, faut accepter sur l'intitulé. Attends, qui a gagné? Bah, déjà. C'est vrai, Aurélie, ouais. Aurélie, vu que t'as gagné, t'as gagné le droit de jouer à la Cross Legume. Moi j'aime bien finir. Il faut gagner ce jeu ou pas? Ah oui, tu peux gagner. On peut gagner. Ah, ouais, ah mais non, mais elle peut pas jouer, elle est en vert. Ah oui. Ah, je suis désolé, en plus c'est vrai. Enlève les vêtements. Tu vois. Là. Non, mais attendez, je vais pas vous humilier toute la soirée, donc je veux bien laisser ma place. Ah non, mais oui, en plus, c'est techniquement, tu es la seule, malheureusement, qui ne peut pas jouer. Vous n'avez pas de vert sur vous, les amis? Regarde. Parfait. Elle va pouvoir jouer. Très bien. Ah bah voilà, sinon tu. Mais non, je vous explique le concept pour que tu puisses nous dire si t'as, si t'as envie de jouer. Okay. Parce que c'est venu d'un délire la semaine dernière où, sans le faire exprès, vas-y, s'il te plaît. Et t'as tout à fait le droit de ne pas vouloir jouer, mais tu vois, c'est pas dangereux. Okay. Ça implique uniquement des légumes. D'accord, ouais, bah, des fois ça fait peur. voilà, j'ai remis la petite caméra sur nous parce que je suis. Oh, regarde comme c'est bien fait parce que dans le reflet, on peut voir. On voit les Michel. Oh, ouais, oh, wow. On voit Manu aussi. Okay. Donc, alors les amis, c'est maintenant que ça se passe qu'on teste le jeu qu'on a fait. Qu'on a créé sans faire exprès. Non, non. En fait, on avait un truc vert et on avait laissé tu sais, le mode incrustation qui fait que le vert disparaît et laisse place à ce qu'il y a derrière. On l'avait laissé et il y avait une image derrière et ça nous a beaucoup fait rire. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on prendrait pas des légumes verts? Est-ce qu'on cacherait pas des images derrière? Et on n'a pas encore tout à fait les règles. On sait pas, je pense qu'il faut un timecode, un truc. Alors, on l'a pas encore tout à fait testé. Voilà, on va le découvrir avec vous en direct. C'est ça, on n'a pas tout à fait testé. À tout moment, il faudra peut-être rapprocher la lumière. Je pense pas, parce que là, ça crache de ouf. Hein. Voilà, on a trois légumes. Ça a l'air assez vert quand même, ça me paraît pas mal. On a un premier test de toute façon. Voilà, je vais rajouter le petit filtre. Petite incrustation qu'on va peut-être régler. Ah oui, parce que là, c'est assez cracra, comme on dit. Voilà. Est-ce qu'on arrive le à voir? Jingle de la cruste légume. Pas mal. Attends, là on a un début. Le légume disparaît là. Là on est pas mal. Oh, là on est pas mal. C'est Avatar actuellement. Regarde, tu vois. Alors, il y a une règle à poser parce que si on se rapproche trop près, évidemment, l'objet grossit. Exemple. Mm-hmm. Ah ben non, parce que tu. Bah là, je peux le faire pour l'exemple. Parce que ça, c'est une photo témoin. Et voilà. Donc, je vous conseille de rester à cette distance là. Alors, on va fixer un nombre de secondes et voilà. Là, il faut deviner ce qu'il y a derrière. D'accord. Chaque semaine, on fait un truc qu'on arrête après.
Oui, là, je pense que c'est la première et dernière fois qu'on fait ce jeu. Non, on va tester. Donc, sinon, après, on peut, voilà, tu vois, on peut se rapprocher comme ça. Et je pense qu'on peut fixer, tu vois, un nombre de secondes. Ouais. Et là, essayer de deviner, tu vois, ce qui se cache dessus. Je pense qu'il vaut mieux avoir des mouvements moins brusques, mais un nombre de secondes plus réduit. De pouvoir prendre le temps de faire genre. Okay. C'est très technique. Et voilà. Et là, si t'as 5 secondes, là, tu dis, ok, il y a un visage. Ouais, ah, top. Et là, tu dois deviner. Ok. Sachant que là, c'est invisible. Là, voilà. Ah, c'est un peu. Oui. Bah, c'était pour l'exemple. Hein, c'était pour l'exemple. Alors, c'est Valentin qui a préparé des images. Tout c'est, à fait. C'est des images de, c'est des photos de célébrités. Oui, c'est toujours des célébrités. Voilà, bon, et sauf là. J'avoue, il y a un petit piège. Ok, il y a un petit piège. On commence avec le poivron ou est-ce qu'on choisit son arme? Parce qu'on a déjà un deuxième légume. Peut-être on peut choisir son arme. Choisissons notre arme. Allez, enfin, votre arme. J'ai rien compris. On a un bonus. On a un légume bonus qui est clairement de la triche. Hein. On va le dégainer que s'il y a une galère. Le joker. C'est le légume vert le plus gros. Okay. Sinon, voilà. Là, on a. Alors, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Pas mal. Ce côté-là, ça marche moins bien. Mais ici, ça marche bien. Je sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Là, on a deux légumes pour deviner des choses. Clipper, hein. Évidemment, il faut clipper. Profiter de ce moment. Moi, non, c'est l'autre légume bonus. Je rappelle que c'est l'autre le légume bonus. Attends, je vous. Voilà, là vous êtes à l'image. Moi, je tiens juste à rappeler, Julien, qu'on est invité par le Dinner Comedy Festival pour venir faire une émission. J'espère que Xavier Le Breton, qui a organisé, qui nous a invités, va venir pile au moment où on va être. Alors, c'est très simple, on a les légumes, on devine une photo. Parce qu'on va plus jamais revenir. Tu peux essayer. Je propose qu'on dépasse pas, voilà, ici là. Ça, c'est la limite. Même là. Ah ouais. Tu vois l'esprit? On dépasse ici et on est fait, vas-y, on va mettre un timer, on peut commencer avec combien? Alors, je pense, allez, 10 secondes pour la première. Ça 10 secondes pour suffire. La première, ok. C'est chaud, attends, alors, c'est moi qui choisis mon arme. Je désactive ce qu'on a ici, ok, c'est parti. Okay. Comment on fait? On compte les points qui joue? Écoute, il faut déjà deviner. Okay, déjà, ok, on en fait un chacun et puis déjà, okay. On fait un passage chacun. On fait un passage de 4 secondes chacun, si ça n'a pas été trouvé. Toi, de toute façon, tu sais ce que c'est, donc moi, je sais nous, ce deux, que c'est. Nous deux, okay. On fait un passage chacun et en 4 secondes, si t'as pas trouvé, moi je profite de 4 secondes de plus. Et ensuite, ce sera moi qui commencera parce qu'évidemment, étant deuxième, je pense que c'est. C'est un avantage. C'est avantagé parce qu'on a déjà vu des choses. Voilà. Okay. Les gens aiment beaucoup ce jeu, visiblement, dans le chat. Ok, c'est parti. Allez, okay, je commence. Tu peux commencer, tu choisis ton arme, évidemment. Je choisis le poivron. Le poivron, ok, très bien. Qu'on a acheté avant-hier, donc il commence un peu à. Voilà. Il, ok. Il est très odorant. On est parti. C'est parti. Top. C'est chaud. Tu as 4 secondes. Oh, c'est chaud. Où est le visage? Ah! Oh, pardon, c'est fini. Il y a beaucoup plus de 4 secondes. Pardon, celui-là est très zoomé comme photo, donc voilà. Ah, tu veux qu'on le dézoome un peu? Non, je pense qu'on peut prendre plus de temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on se rapproche ici pour tester? Voilà. Vas-y, refais-nous en un de 4 secondes ici. Ah oui, d'accord. Tu vas être un peu mieux. Ah, c'était 4 secondes? J'avais dit 10. 10? Ok, 10 secondes. C'est attention, c'est parti. C'est dur. Ah oui, c'est plus dur que ce que je pensais. C'est quoi ça? C'est un lunette. On est sûr. Oh, je sais, je crois que je sais. Ah, je crois que je sais. Ok. Vas-y, proposition. Ah non, en fait, je sais pas. Vas-y, proposition. Les 10 secondes. Ah, oula, attention. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'est pas dans le bon sens. Je crois que je sais. Tu veux faire une proposition? Non, vas-y. Est-ce que c'est Jean-Pierre Coff? Non. Oh, merde. Perdu. Yeah. Tu sais quoi? Vous avez le droit, parce qu'il faut bien qu'on avance sur les photos, à l'objet bonus. Parce qu'elle est compliquée, celle-là. Si elle est compliquée, ok. À l'objet bonus. Alors, on a Antoine de Maximi qui m'appelle, donc je vais décrocher quand même pour qu'il puisse trouver où c'est. Oui, Antoine. Il va arriver à ce moment-là. Antoine, oui. Ah, bah parfait. Écoute, on est en train de faire le je dernier jeu. Tu peux tout à fait venir. On va pouvoir enchaîner quasiment. Ouais, carrément, tu peux venir. Vas-y, à tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé? J'aimerais qu'on ait le regard d'Antoine quand il va arriver, qu'il va voir ça. Ça a été trouvé, mais dans le chat et au c'est vrai la lune. Seth Rogen? Non. Alors, est-ce que tu veux tenter? Ah, mais on voit rien. Ah, si, mais en fait, c'est génial. J'aurais carrément dû prendre ça. De travers, c'est dur. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, voilà. Il y a un pétard. Dans tous les cas, on peut se rapprocher. Allez, je pense, je le dis, ça a été trouvé, je le dis. C'est Jamy. Tu peux afficher juste les la yeux. Photo. C'est Jamy de C'est pas sorcier. Je vois, mais oui, bien sûr. Ok. Eh oui, attends. Ah, c'est dur. De côté, en fait, de côté, c'est dur. Il y en a d'autres de côté ou pas? Ah. C'est Jamie de C'est pas sorcier. Ok. Allez, on passe à la suivante. Passer assez vite à la suivante. J'attaque direct avec le poivron, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on casse pas la règle de Allez, de toute façon là, on voit bien que ça ne marche pas. Ok, c'est parti. Tu me chronomètres. Tu me donnes combien? 15 secondes. Allez, 15 secondes. Allez, 15. Et c'est parti. Ok, il est rouge là. Oh. Ah, je l'ai. Tu me dis top, hein, tu me dis top.
qu'est-ce que c'est con. Je crois que je l'ai. Attends, je sais qui c'est, mais je suis pas sûr. 5. Putain, je l'ai pas. Si c'est. T'es un peu prêt. Je crois que c'est. Ah prêt. Si, je sais. Stop. Est-ce que c'est Régine? Pas du tout. Ce n'est pas du tout Régine. Alors. Ok, 15 secondes aussi. Ouais, vas-y. Okay. Combien? Bon, allez, de toute façon, il n'y a pas de règle. Top. C'est parti. Et moi, je vois du roux. Ouais. Moi, j'ai pas à te rapprocher, hein. Ça marche mieux quand on est prêt. Ouais, je pense que la caméra est là. Je pense que... C'est. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. On a Justine Le Potier. Non. Ouais, j'hésitais avec. Est-ce que c'est Mylène Farmer? Non. Ah, on l'a proposé dans le chat. C'était le piège, c'était pas Mylène Farmer, mais c'était. Est-ce qu'on peut sortir le. Là, on pour peut le choisir coup, l'objet. Le légume maximum. Le légume maximum. C'est le légume maximum. Maximum légume. Pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, une salade verte. Je vais vous le. Voilà, on enlève un petit peu l'incruste pour que vous puissiez profiter. Hein. Voilà. Ça marchera mieux, je pense. Alors, qui peut profiter en premier du ça légume été, maximum? En vrai, ça est-ce a été trouvé. Ça a été trouvé. Attends, je lis pas. Je lis pas. Ouais, ça a été trouvé. Tu veux essayer? On le joue au Shifumi. Allez, au Shifumi, vas-y. Shifumi. Ok, j'ai perdu. T'as le droit au légume maximum. Bien sûr. Ah, voilà. Okay. Est-ce que je suis au moins qui sait? Ça se trouve. Alors. À la limite, franchement. Fais-le et le premier qui trouve déjà. Putain, mais j'ai un vrai problème de. C'est Josiane Balasco? Oui, c'est Josiane Balasco. Eh, mais c'était mon tour. Ah, pardon, j'avais jamais dit qu'on pouvait Balasco. Faire en même temps. Non, mais j'ai un vrai problème. C'est Josiane Balasco jeune. Eh, bien joué le côté jeune. Ah oui! C'est Josiane Balasco jeune. J'adore. Excellent. Super. Allez, bah vite la suivante. Allez, hein, on enchaîne très vite la suivante. On prend les petits. Le légume, hein. Là, on va cacher évidemment le. Le légume maximum. Que vous pouvez prendre juste le. Parce que le. On en est à la combien? À la 3. On voit rien avec ça. Hein. Okay. On peut prendre que la salade. Alors, ça, c'est bien, ouais, le poivron, ouais. Je pense que vas-y, c'est. Vas-y, vas-y. J'attaque? Vas-y. Tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Je suis chaud. Attends, j'ai. Oula, pas. Ouais, j'ai pas accès à. Ah oui. Alors, c'est parti. Combien tu me donnes? Allez, 15 secondes toujours. Je crois qu'il est. C'est un piège, okay. Celui-là. Ok, ok. Ah, allez, je te donne 30 secondes. Ok, je me rapproche pas trop au début. Top. J'attends avec la musique. C'est Casper? Tu peux te rapprocher, je pense qu'il est introuvable. Oh! Ah, ah, t'avais un œil! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse! Mais c'est immonde! Ah, c'est une bouche, c'est immonde! Qui est cette personne? C'est pas une personne. Ah! C'est un hot dog et c'est quoi? C'est le Joker! Je suis à combien là? T'avais un œil! Mais y'a rien ici là! Relève-toi! Hop là, t'es passé devant l'œil! T'es là! T'es passé devant l'œil! Oh! Relève! Mais c'est quoi ces dents? C'est un. C'est pas fini là! J'aime bien que quelqu'un te guide. Mais non, mais qui c'est qui a des. C'est le pingouin ou je sais pas. Un truc. Allez, on comme allez, ça c'est dans... parti pour combien? 30 secondes. 30 secondes. Pareil, parce que c'est... Alors, il y a l'œil ouais. Qui est par là. Et... Ah, je crois qu'on l'a trouvé dans le chat. Ouais, okay. Ça a été trouvé. Et top. Ça a été trouvé très vite. Dans le jeu. Oui, un œil. C'est un œil. Ah ouais. Ah. Et là, il y a les dents par là. Et les gens ont trouvé très vite. Ah, le cerf omniscient a trouvé en premier. Bravo. C'est Voldemort. Je sais pas si tu connais. Tu veux. Ah, je sais pas. Non, je sais pas okay. Du tout. Les amis, petit jingle. Tu te souviens de l'intitulé? C'est le légume maximum. Ouais, bah j'ai lu dans le chat, donc je me suis fait avoir. Ah bah voilà. On est sur le blobfish. C'est immonde. Le poisson blobfish. Voilà. Ok. Et bravo, y a tout le monde a trouvé dans le chat. Bravo. Bravo. Ok, on enchaîne. Allez, parce que écoute, c'est le excellent. Hein. Bon, on compte plus vraiment les points, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est je suis très mauvaise, hein. Très mauvaise. Ok, vas-y, moi je pars, c'est à moi. Vas-y. Non, tu as commencé avant. Ok, donc, vas-y, à moi. Mais moi, okay. Déjà, j'ai un petit problème d'orientation. C'est un bocal de cornichons. Oh, ah si, oula, ça va être difficile à trouver. Oh, ah ouais. Allez, zoom. 40 secondes. Allez, rapproche-toi du coup, c'est dur. 40 secondes. Ah ouais, c'est une photo ça, c'est un plat. Non, c'est une personne. Mais non. Je pense qu'on peut essayer, on est contre le temps en fait, je pense. Aurélie. Ouais. Je pense que c'est plus simple comme ça. Oh, une jambe, non, c'est une jambe ça. Oui. Ah, c'est une jambe de danseuse. C'est une jambe. Les gars, elle est où la tronche? Faut trouver la tête, indice, faut trouver la tête. C'est par là. Ah, t'es pas loin, lève, j'aime bien guider. Profitez de la crust légume, c'est peut-être pas tous les jours qu'on fera la crust légume. Redescends. Elle est dans une position particulière, elle est dans l'autre sens. Oui, lève tout. Ah, c'est quoi, je participe, hein. Allez. Mais en fait, c'est pas mal, y a pas le temps. Oh, j'enlève le temps, faut juste que vous trouviez ce que c'est. Ah, c'est une tortue ninja. Presque. C'est un mec déguisé en tortue ninja. C'est pas un mec, c'est une célébrité déguisée en tortue ninja. Mais non, c'est qui? Trouvez la tête. Comment c'est Kylian Mbappé? Attends, je crois que la tête est en dessous. Kylian Mbappé. Ah non, attends, t'as mis. C'est Rihanna? Oui, c'est Rihanna déguisée en tortue ninja.
Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut voir l'image en grand? Oui, bien sûr. Et de travers. Ouais, bien de travers. T'as même parce qu'elle passait pas sinon. Ok. Non, mais laisse tomber. Et je crois qu'il en reste 2. On est 5, il en reste 3. Ouais. Allez. C'est parti. C'est parti. Je mets un timer. Allez, on fait ensemble. Maintenant, c'est quoi? Ouais. Okay. Allez, regarde, ça avait trouvé dans le chat. Et 30 secondes. 30 secondes, ok. Alors, je prends la partie là. Okay. Je sais plus qui c'est, je vous avoue. Attends, je crois que je l'ai pas mis là. Ah, il y avait un œil. Non, j'ai une bouche là, non? Je sais plus, je sais plus qui c'est. J'ai une bouche d'enfant. Pas du tout, il marche plus mon poivron. Ah. Ah. Ah oui, oui, je vois. C'est un nez, ça. C'est quelqu'un de zoomé. Marche pas cette technique. Il vous reste 10 secondes. C'est quelqu'un là, il y a un nez, zoomé. Là, il y a un nez. Là, le visage est là. Hein. Ah, mais je sais plus qui c'est. Putain. Profitez de ce grand moment de Twitch. Hein. Profitez-en. Ok. Il y a un nez. Il y a un nez, il y a un œil par là. Allez, c'est. Ah, on va se rapprocher. Hein. Non, non, pour la salade. Ah, ah. Oui. J'ai reconnu au sourire. Alors, est-ce que le chat, vous l'avez là? J'espère que vous l'avez. Charles Aznavour, c'est pas Charles Aznavour. Moi je l'ai. Attends, remets juste sur le sourire. Jamais. Juste le sourire. Plus bas. Oui. Voilà, là on l'a. Moi juste le sourire, je l'ai. Moi je l'ai, hop. Allez, mais après, bon. On est favorisé dans le chat parce qu'on a beaucoup parlé de cette personne. Mais est-ce que. Ah ouais, non. Ah, Antoine qui nous rejoint. Écoute, t'arrives, regarde. T'arrives au meilleur moment de cette émission. On essaye de faire deviner le visage avec des légumes. Là, les yeux, tu vas l'avoir. Ça a été trouvé dans le chat, tout le monde. Allez, le chat là. Allez, la salade. Mais non, ah oui, d'accord. C'est Gérard Jugnot. Je pense qu'on peut s'arrêter magnifique. Là. Ouais, on va s'arrêter sur Gérard Jugnot en plus. Ben. On le sait qu'on aime Gérard Jugnot ici. Alors, c'est un jeu très très drôle, mais j'aurais préféré terminer sur une victoire. Ah, tu veux entendre un dernier? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas on du avait Kikit. Attends, je veux juste voir qui tu nous avais préparé, Valentin. Il m'avait préparé. Donc, alors, mais c'est vrai que c'est très drôle. Ah, Whoopi Goldberg, ça aurait pu être dur. Ça aurait pu être dur. Et Eddie Mitchell, Eddie Mitchell jeune. Mais non, mais trop dur. Alors ouais, ça serait trop très, dur. Très dur. Ok, magnifique. Bravo. Bien. Mais tu penses que tu peux enlever le. Oui, je vais enlever l'incrustation. Magnifique. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Ce grand moment. Et n'hésitez pas. Ça c'est grâce à vous. Je suis un peu con encore. Ouais, merci beaucoup Aurélie en tout cas, bravo. Et à bientôt. Et on va pouvoir faire une petite salade. Le jeu de l'incruste légume. Qu'est-ce que c'est bien, on va les engager. On hein. va pouvoir en faire une salade. Eh ben, on va accueillir tout de suite Antoine de Maximi qui est venu gentiment nous voir. Alors mets-toi. Mets-toi au milieu. Ouais. C'est la bonne franquette. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Antoine d'ailleurs. Ah, c'est bien, je vais voir si je suis bien coiffé. Ouais, c'est pas terrible, mais ça sera comme ça. Alors, on n'est plus du tout dans la cruse légumes. Tu vois, là, moi, je fais la réalisation en temps réel. Cool. Fait comme on peut. Pas mal. Ok. Et ben du coup, merci beaucoup d'être passé nous voir. On voulait discuter avec toi quand on a su que t'étais sur on le. Pas, Valentin, on voit pas. Un petit peu. Quand on a su que t'étais sur le festival, on s'est dit que c'était l'occasion de parler avec toi en direct sur Twitch. Souvent, on aime bien raconter des anecdotes et faire raconter des anecdotes à nos invités. Toi, je pense que tu as les anecdotes les plus incroyables possibles. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu racontes plus? Oui. Parce que t'as trop raconté. Mais oui, il y en a plein, c'est normal. Quelle anecdote que je veux plus raconter. Non, ouais, non, je vais pas te la demander. Truc horrible direct. Oui, passe un mauvais moment avec moi. Non, est-ce que. Alors, justement, commençons peut-être plutôt par une que t'aurais pas racontée et que t'aimes bien. Ou alors après, une qui est pas racontable peut-être, mais. Est-ce qu'il y en a une que tu racontes comme plutôt ça, à froid, c'est difficile. Ouais, il faut démarrer là. Il faut démarrer. Bien sûr, je comprends. Faut me lancer. Mais en tout cas, merci déjà d'être là. Ça fait énormément plaisir. Moi, j'aimerais que tu nous racontes. Tiens, la bonne nouvelle déjà, pourquoi j'ai mis 5 minutes de plus à descendre, c'est que je croyais que j'avais perdu mes clés de voiture et elles étaient dans ma poche. Voilà une anecdote. Pas mal. Je prends première anecdote. Bon. Et non, mais parce que ça a l'air assez surréaliste de comment t'es arrivé au festival. Parce que du coup, t'étais pas prévu finalement. Non, mais j'étais pas prévu pour moi non plus. C'est super. Parce que nous, on a découvert qu'en fait, dans la vie, tu fonctionnes comme dans ton émission, en fait. Oui. C'est comme ça qu'on nous l'a raconté. Il est arrivé, il savait pas où dormir. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est vrai. C'est génial. Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu en faisant l'émission qu'on pouvait vivre aussi comme ça. Ouais. Je vivais déjà un petit peu comme ça, parce que je me rappelle, je partais en vacances avec ma fille. On prenait la route, et puis après, on se posait la question de savoir où on allait. Tu vois, bon, ouais, j'ai des copains à droite, à gauche, j'en ai pas mal. Mais là, pour ce qui est du festival, en fait, ma copine Sandrine Guizier, on a déjà dîné ensemble mardi, et elle me dit je vais au festival à Dinard, etc. Et je dis, tiens, c'est sympa. Et puis, moi, j'avais envie de prendre un petit peu, faire un petit break
Et puis, on a échangé quelques messages le samedi matin. Et puis, j'ai pris la décision de partir vers midi. Je suis parti à 14h, j'étais là le soir. Et évidemment, j'avais ni hôtel, ni rien. J'avais rien. Mais ce que j'ai fait, et ce que je fais souvent, parce que psychologiquement, c'est important, c'est de prendre une tente. Donc, dans ma bagnole, j'avais une tente de sac de couchage. Parce que je me suis dit, s'il fait froid, je mettrai les deux. On ne sait jamais. Et petit matelas, etc. Et en fait, quand je suis arrivé ici, d'abord, j'ai été super bien accueilli. Donc ça, c'était vraiment sympa de la part du festival. Je pensais que bon, je pensais que je rentrerais même pas dans la salle. Mais de toute façon, je voulais me changer les idées. J'aime bien faire de la route. Ouais. Et le soir, j'avais effectivement aucun endroit où j'allais dormir, où je pouvais dormir. J'avais quand même rencontré au bar la Fonda. Oui, c'est ça. Des gens que je connaissais pas, qui m'ont dit qu'ils avaient un mobilhome qui s'était déjà beaucoup, mais qu'il pourrait se serrer. Donc, j'ai pris les coordonnées, on ne sait jamais. Et à table, au restaurant, j'étais à côté de Guillaume, le patron de l'hôtel de la plage. Et qui me dit, mais c'est vrai que tu n'as rien. Je dis, bah non. Il dit, je reviens, je vais voir s'il n'y a pas encore une chambre. Et en fait, il restait une chambre et il m'a invité à passer la nuit. Et puis après, j'ai appelé un copain qui, je savais qu'il avait un appartement pas loin, et en fait, c'est à Saint-Lunaire. Et donc, j'ai dormi ensuite à Saint-Lunaire. Enfin, j'adore ne pas prévoir parce que... Super. Mais depuis ton émission, tu dois trouver assez facilement où dormir. Parce que là, je vois... De plus en plus. Depuis le début, dans le chat, tout le monde propose que tu viennes dormir chez lui. Envoyez les photos, envoyez les photos. Maintenant, tu sélectionnes, c'est ça. Tu demandes... Photo du lit. Bon. Et alors, est-ce qu'il y a des endroits sur la planète où tu n'as pas genre une petite punaise, un petit contact avec un numéro de téléphone dans ton répertoire? Est-ce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas aller? Je peux pas aller, bon, y a les endroits en guerre où j'évite un peu d'aller, mais non, enfin, je suis allé dans quand même pas mal d'endroits, mais il y a pourtant un continent que j'ai jamais touché. Ah ouais? Ben oui. Lequel? Ben l'Antarctique. Ah oui. Ah oui, là, et j'y pense. Ça sera un épisode un peu particulier, mais j'y pense. Ça peut être intéressant, ouais, c'est vrai. Ça fait partie des... Mais le fait de pas avoir de lit et de se dire que tu vas trouver... Je peux te dire qu'au début, je me rappelle une fois, j'étais avec une copine où c'était une histoire naissante, tu vois, ça démarre. Donc, tu essaies de te montrer encore mieux que ce que t'es, quoi. Mmh. Et on était à Berck. Il y avait les cerfs-volants, c'était le week-end des cerfs-volants. Ouais. Et je lui dis, t'inquiète pas, on va se retrouver quelqu'un qui nous héberge et tout, c'était il y a quelques années. Et en fait, on a trouvé plein de gens qui étaient prêts à nous héberger, mais qui habitaient loin. Et puis les gens qui habitaient dans le coin n'avaient pas de place. On a fini par faire 100-150 km pour aller à un hôtel Mercure à Amiens, je crois. Et je n'avais pas tout à fait réussi mon coup, mais bon. Depuis, tu as une tente dans ta voiture, du coup, au cas où. Au cas où, ouais. Mais tu ne peux pas proposer à tout le monde de dormir sous la tente. Hein. Ah ouais? Bon, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'y aller. Oui, alors Dieu, ça t'est arrivé de rencontrer des gens qui ne comprenaient pas du tout ce mode de vie-là? À l'étranger? Oui, ouais, partout, ouais. Non, en France maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent l'émission et ça, comme ça les fait marrer, ils comprennent plein de choses. Mais effectivement, à l'étranger, ça peut déstabiliser parfois. La première émission, c'était au Japon c'est... Non, la première, c'était au Mali. Et le Japon, il y a une histoire pas mal à raconter sur le Japon. Parce que moi, j'ai proposé cette série-là en 2003, à un moment. Et il n'y a qu'une chaîne qui l'a prise, c'est Voyage, une chaîne du câble. Bon, j'étais pleine cible, c'est vrai. Et donc, je fais le premier épisode. France 2, au début, était partenaire. Et puis, quand ils ont vu l'épisode du Mali, ils ont dit c'est pas pour nous. Bon, donc, ils nous ont laissé tomber. Et on a continué avec Voyage. Mais Voyage, le gars qui s'appelle François Fèvre, qui trouvait ça très bien, très rigolo, se rendait pas compte que j'allais aller aussi vite. Parce qu'il me dit ouais, c'est bien, ouais, tu peux en faire un autre. Puis moi, j'en fais trois dans les trois mois. J'allais super vite. Parce que j'avais compris qu'il fallait que j'impose ce format. Il fallait vraiment que je me batte pour que ça arrive à trouver sa place. Parce que ça ressemblait à rien ce qui se faisait. Et c'est ça, il y avait quelqu'un dans le chat là, qui demandait comment t'as réussi à pitcher l'émission, quoi. Parce que c'est vrai que personne en m'a... le faisant, tu l'as fait directement. Mais oui, personne m'a vraiment suivi, quoi, en fait. Et comment toi, l'idée t'est venue? Parce que c'est quand même dingue de se dire, je vais me filmer tout seul et je vais... Avant, il y avait un autre projet ou c'était directement ça l'idée? Alors, ça a mûri. Mais après, je finirai mon histoire sur le Japon. Pardon. Mais ça a mûri pendant des années et des années, en fait. Je m'en suis rendu compte. Après, l'idée, elle est sortie en une heure, un truc comme ça.
l'idée. Pas de dormir chez les gens, mais de partir tout seul, de me filmer, de mettre le matériel de cette façon, où j'allais mettre les micros, tous ces trucs-là, mais ça avait mûri. Et pour pas tout développer maintenant, parce que d'abord ça prendrait du temps et vraiment on n'a pas le temps, mais j'ai raconté ça dans le premier bouquin qui est un livre de poche, donc c'est pas vraiment pour gagner des sous, qui s'appelle Avant d'aller dormir chez vous, qui raconte bien le truc. Okay. Et qui raconte pourquoi, pas uniquement parce que j'ai eu l'idée, mais même mes parents, l'éducation que j'ai reçue, ou que je n'ai pas reçue d'ailleurs, plutôt le milieu dans lequel j'ai baigné, ont fait que je suis allé sur J'irai dormir chez vous. Mais moi, je voulais finir avec le Japon, parce que j'avais donc tourné 4 épisodes assez vite. Et Voyage, en fait, ils étaient assez contents quand même. Et puis, ils ont été rachetés par le National Geographic, qui lui-même a été racheté par la Fox. Et puis, il y a sûrement quelqu'un qui a dû racheter tout ça derrière, on s'en fout. Toujours est-il qu'à la conférence de presse du mois de septembre, on présente pour la première fois aux journalistes J'irai dormir chez vous. Et on voit bien que ça mord, quoi. Que les mecs, ça leur plaît, c'est différent, c'est original, etc. Et moi, j'appelle les mecs de Voyage et je leur dis, je peux repartir maintenant, faire un épisode. Et ils me disent, ouais, mais c'est compliqué, en ce moment, on vient de se faire racheter, on ne sait pas trop. Oui, mais moi, c'est maintenant, j'ai un créneau, c'est le moment. Et je dis, je vais partir au Maroc. Donc, ils me disent, bon, allez, vas-y. Et moi, je réfléchis, je me dis, bon, c'est peut-être la dernière émission, parce que si jamais les mecs qui ont racheté ne sont pas d'accord, ils trouvent que le concept est nul, etc., c'est peut-être mon dernier voyage. Et là, je me dis, mais putain, je ne suis jamais allé au Japon. J'aimerais bien y aller. Je n'aurais pas dit, je suis allé au Japon. Je suis parti au Japon. Et là, je me suis dit, tu as fait la connerie de ta vie. Parce que j'arrive dans le pays et je commence à me promener dans Tokyo avec mes petites caméras, comme d'habitude. Et là, je ne comprends rien. Je peux rien lire nulle part. Et j'étais paumé. Et j'étais en train de me dire, il faut que je fasse ce film, il faut que je le sauve. Qu'est-ce que je peux faire? Et une des solutions me semblait être de reprendre des extraits des 4 épisodes que j'avais tournés avant et de dire, voyez, au Japon, j'arrive pas à communiquer parce que si, parce que ça. Alors qu'au Mali, ça se passait super bien. Et je te mettrais un extrait du Mali. Et en mettant un extrait du Mali, un extrait du Québec, un extrait de la France, du Vanuatu dans le Pacifique et tout ça, je vais arriver à sauver mon épisode. Mais tous les matins, moi, j'ai une vraie discipline, c'est que je regarde les images de la veille. Oui. Et là, je vois un Français perdu dans Tokyo, mais désespéré, et je me marre de voir ma gueule au milieu des Japonais qui comprennent rien. Tu sais, quand ils sont gênés, les Japonais, ils font « Oui, on l'a vécu. Ouais. » Voilà, bon. Donc les mecs, ils rigolent, mais c'est pas qu'ils rigolent, c'est qu'ils savent pas trop quoi te dire. Oui, on a passé un temps monstre parce qu'il n'y avait plus de place dans un restaurant. Ouais. Ils n'osaient pas nous dire qu'il n'y avait plus de place. Ah, voilà. Fou, comme donc ils rigolent et puis ils n'osent pas dire non. Ça a duré un quart d'heure avant qu'on comprenne qu'en fait, il n'y avait juste plus de place et qu'il fallait... C'était... Donc on voit où est-ce que tu veux dire. Et ben voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ah, c'est pas si... Ça vaut le coup. Et j'ai continué en y croyant. Ouais, parce que finalement, c'était sincère. Tu devais vraiment être perdu. Et oui, du coup, la, mais le drame, la gueule, mais la gueule que j'avais. C'est, ça. Ouais, c'est vrai que le Japon, en plus, c'est réputé pour... Ça s'ouvre un peu, mais c'est des gens qui n'ont pas l'habitude non, de, non, bien sûr. D'accueillir des gens chez eux. Mais je crois qu'ils n'ont jamais été envahis aussi. Et ça fait... Il y a Virac qui nous dit, n'empêche Antoine, c'est le tout premier vlogueur. Et oui, c'est vrai que en parler, ouais. C'est ça, tu voulais en parler. Alors, ça, je veux bien savoir ce que c'est qu'un vlogueur, parce qu'un blogueur, un vidéo blogueur. Blogueur, vidéo blogueur, exactement. D'accord. C'est les gens qui merci, j'ai appris un vlog, donc comme on est devenu un verbe maintenant, leur vie, et qui on les suit vraiment au plus proche. Alors ça dépend des vlogueurs, mais on les suit au plus proche de leur vie tous les jours. Et c'est vrai que depuis que YouTube a un peu explosé, il y a de plus en plus de, et puis que les caméras sont maintenant accessibles. Alors j'ai appris un truc sur ça. J'ai appris un truc sur le sujet, c'est que les pays qui sont un peu dictatoriaux, etc., tu vois, ils ont beaucoup plus peur des vlogueurs, du coup, que des journalistes. Parce que les journalistes, ils ont une déontologie déjà, et puis en général, ils sont un peu plus connus, donc on les repère plus vite, donc ils arrivent plus à les suivre, à les cadrer, les machins. Alors que les vlogueurs, c'est une nuée de mecs qui arrivent de tous les pays du monde, qui sont dans une liberté totale, qui disent ce qu'ils ont envie de dire, et parfois des conneries, hein, faut pas non plus se tromper, mais ils sont ingérables, les mecs, puisqu'on sait même pas où ils sont et tout. Et en fait,
on m'a dit que il y a plein de pays dont la plus grande peur n'est plus les journalistes qui pourraient raconter des choses, etc. C'est tous les mecs qui se baladent partout et qui filment et qui envoient des images dans toutes les directions. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, en Corée du Nord, beaucoup de vlogueurs qui partent, qui arrivent à accéder à la Corée du Nord, qui se filment, qui filment leur voyage. Donc, je comprends. Mais c'est vrai que je pense que... Mais je comprends aussi le rapprochement qui est fait, de toi, tu as rendu le truc plus humain. Et du coup, c'est ça, c'est très proche, c'est juste toi et une caméra. Et sur Internet, c'est vrai que maintenant, on en a vu plein, on a vu tes émissions aussi. Et donc, c'est marrant de faire ce parallèle-là quand même. Parce que, évidemment, on a une communauté là qui nous regarde, qui connaît beaucoup plus ce qui se fait sur YouTube. Et qui, même pour certains, je pense, quand ils regardent tes émissions, on se dit « Ah, ça me fait penser aux blogueurs, tu vois, c'est dans l'autre sens. » Il y a d'ailleurs quelqu'un, RedLab, qui dit qu'il y a des Twitch IRL qui existent. Et donc, et qui marche de plus en plus, et c'est des gens qui voyagent justement avec des équipements à la JRL. Donc, les Twitch, c'est le système qu'ils ont transmis en ce moment. Et IRL, c'est quoi ? In real life. In real life. Donc, c'est des rencontres dans la vraie vie. D'accord. Et en gros, et donc, c'est des gens qui se filment avec un petit peu ton dispositif. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est accessible à tout le monde. Ah, bien sûr. Des webcams, des téléphones, et on peut ce côté petite caméra transportable partout. C'est facile de monter. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Alors, moi, je vais faire un peu ça, figurez-vous. Ah oui ? Oui, dans 15 jours, 3 semaines. Ah oui, donc de là, quoi. Oui, parce que... Non, mais je vais aller me balader en France, parce que j'ai un projet, alors j'en parle pas tout de suite, mais vous allez savoir ça dans 3-4 jours. Mais comme je sais pas, tu sais, ils me gèrent maintenant, parce qu'ils ont compris que j'étais ingérable. Déjà, il faut te trouver, parce que c'est toujours... voilà, donc il est où, Antoine ? Ils sont en train de me gérer, c'est des community managers, des trucs comme ça. Donc, j'essaye d'être un peu moins bordélique que d'habitude. Et je vais, dans 15 jours, 3 semaines, faire un tour de France. C'est ça que je le dis un peu à tout le monde. Et je vais faire... C'est pas l'essentiel du projet. C'est ce qui va m'aider à le soutenir. Je vais faire des espèces de live de 10-15 minutes que je vais improviser un peu partout avec les gens que je vais rencontrer, comme d'habitude, au hasard. Et je vais faire également une espèce de tournée de conférences gratuite sur J'irai dormir chez vous. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Le reste, je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne vous le dis pas parce qu'ils vont me tirer les oreilles. C'est... Mais ça va bouger, vraiment ça va bouger là. Il va se passer un truc. N'hésitez pas à rejoindre Twitch. Hein. Oui, il y a plein de gens. Oui, on a parlé technique. On a parlé technique. Je sais pas, c'est les jeunes qui savent. Hein. Moi, j'apprends même que Twitch prête des sacs à dos spécialement équipés pour pouvoir aller faire ce genre de. Ah bon ? Oui, mais je crois que justement. Domingo, mais appelez-moi Switch. Twitch, ou je sais pas. Alors Switch, les gars, tu vas recevoir une console. Bon, on va voir. En tout cas, on y pense. Non, mais je te parlais de Domingo qui avait fait un marathon et je crois que c'est avec ce sac à dos là. Si dans le chat, vous le savez, n'hésitez pas à nous dire. Mais moi, il faut deux. Ça serait une bonne plateforme pour ça, tu vois. Parce que j'ai deux caméras. Oh, bah écoute, si tu te connais Twitch, ils vont filer. Devant, derrière, sac à dos. Si tu dois étudier Switch, tu auras une console dans le sac à dos en même temps. Et tout ça, en fait. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je voulais parler de. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, on va vite enchaîner. Qu'on aille manger. Je me souviens de ton film J'irai dormir à Hollywood. C'est comme ça que moi, que je t'ai découvert. Et nous, avec Julien, pour parler un peu de nous, on est scénariste, on travaille sur des formats longs de la série, du long métrage. Et ce qui m'a frappé dans tes émissions et même dans d'autres comme Nu et culotté, c'est que en fait les rencontres, finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes structures d'histoire. Nous, on les invente et toi, tu les as vécues. Et je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé, notamment dans J'irai dormir à Hollywood. Après, c'est monté et c'est, je suppose, un petit peu scénarisé. Une narration qui est créée au montage aussi. Une narration qui se crée toute seule. C'est pas scénarisé. C'est elle-même, en fait. Et en gros, les personnages qui sont intéressants dans la vie, les rencontres intéressantes qui sont vraies, il n'y a aucune triche. Non. Et ben, on les retrouve nous quand on invente des histoires, donc ça m'a frappé de voir que c'est des gens qui disent que les personnages intéressants. Il y a, un grand réalisateur de cinéma dont évidemment j'ai oublié le nom, mais qui a dit un truc qui est très bizarrement vrai et d'une certaine manière contradictoire. Il a dit le problème du cinéma, ce qui est compliqué, c'est que à la différence de la réalité, il faut que ça soit plausible. Tu vois, c'est-à-dire le cinéma, comme tu es rentré dans quelque chose où il n'y a pas de limite, si tu vas trop loin, on ne te suit pas. Alors que dans la réalité, moi, j'ai vécu des choses que si tu les avais écrites, on ne te croit pas. C'est ringard même à la limite.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça vaudrait le coup de mettre inspiré d'une histoire vraie au début de chaque film. Comme ça, tu pourrais te permettre plus de choses. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est une que j'ai inspiré d'une histoire vraie, je peux vous dire que ça aussi, je l'ai bien présent dans la tête. On va en parler dans pas longtemps. Ah oh. Il y a des gens qui nous disent qu'ils verraient bien Twitch. C'est Red Lab qui nous dit je verrais bien Twitch donner du fric pour ce genre de programme vraiment. Donc tu vois, il y a peut-être une carte à jouer. C'est ça. Ouais, mais j'aime bien être indépendant. Et il y a Guerilla aussi qui. Ah non, oui, si. Ah non, c'est pas toi. J'ai vu quelqu'un. Ah oui, YouTube138 qui verrait bien faire une vidéo avec Le Grand JD. Je sais pas si tu connais Le Grand JD, qui est un youtubeur aussi. Non. Un youtubeur suisse. Et qui fait aussi beaucoup d'exploration, des choses. Il est peut-être moins dans le social, il va moins à la rencontre des gens. Il est dans des lieux étonnants. Dans les lieux. Ouais. Ah oui. Mais c'est vrai que ça pourrait faire un binôme intéressant. Il y a forcément des gens dans des lieux. Donc ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. Non, voilà, de toute façon, on va peut-être s'arrêter là. On va faire simple parce que tout, pour vous expliquer, on n'a pas mangé tous là. Donc on a les crocs. Non, ça va, j'ai mangé. Il y avait des vieux croissants qui sont pour demain. Ouais, c'est encore une fois, tu trouves un truc. Ça gratifie, ça gratifie. Je me débrouille. Bah, merci beaucoup en tout cas Antoine d'avoir pris ton temps parce que pour vous expliquer hein, Antoine il est vraiment passé, on a fait est-ce que tu veux venir, on fait un live et il a accepté, il est vraiment venu comme ça très spontanément, c'est pour ça qu'on fait ça un petit peu à l'arrache, voilà. Et merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil de ta part. Ben impec, moi j'étais ravi et puis ben, bonne soirée tout le monde et à bientôt, on va se reparler dans pas longtemps. Bah du coup oui, peut-être avec ton sac à dos Twitch. Ouais ou autre, on sait pas mais oui c'est ça, s'il y a c'est l'idée est là. Bah merci beaucoup, merci en tout cas. Beaucoup. Nous on va finir vite fait et puis je vous laisse terminer. Ouais, ouais c'est ça, on en a pas. Vous allez temps. Conclure. On se retrouve peut-être à table tout à l'heure. Ciao. Bon ben voilà, on avait prévu de se faire une petite game castée, mais alors du coup on a tellement débordé parce qu'on voulait faire plus court qu'on n'a plus de casteur. Du coup, est-ce qu'on se fait pas juste une petite partie entre nous? Moi je pensais même qu'on allait manger. Tu vois, tu m'as mis dans tête qu'il fallait aller manger. Moi je pense qu'on peut parier. Attends, faut juste que je rebranche la souris. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi tout le live. Je pense qu'on peut parier un truc que tu vas pas aimer. D'accord. Tu vas détester, tu vas pas vouloir parier. Merci beaucoup Antoine. Celui qui gagne, celui qui perd. À quel jeu on joue? On va jouer à... Ah oui, c'est vrai, pardon, je vous ai pas expliqué. On va se faire un petit Super Mario Bros. Battle pour ceux qui voient. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que les gens qui nous suivent ont vachement de chance parce qu'ils peuvent bouffer pendant qu'ils nous regardent. Et nous, on peut pas bouffer pendant qu'on fait votre truc. Non, j'allais te proposer que celui qui perd ne mange pas ce soir. Non. Il me connaît, moi. Et en plus, j'ai un meilleur niveau que toi sur Super Smash Bros. Super Mario 3. Non, mais écoute, ouais, on va jouer. Et tu sais quoi, on va caster. On va la caster en direct. Tu veux qu'on la casse nous-mêmes? Vas-y, on peut faire ça. On peut tenter ça. Tout le monde s'est barré. Nous a lamentablement lâché parce que ça avait bouffé des pizzas. Et voilà, on part sur Super Mario Bros 3, pour ceux qui connaissent. Ah, il y a Michel qui est encore là. T'es pas parti manger, toi. Je pense à vous avec mon chocolat. Et voilà, ça grignote devant l'ordinateur. Ça, je le savais. Il y a Michel qui est de retour. Pas vraiment, mais celui-là sur Discord. Je lis un petit peu, je profite pour lire rapidement. Je vois des gens qui se font ban, qui se font des bans. Il y a de la modération, ça me plaît. Merci beaucoup pour la modération. D'ailleurs, je vous rappelle rapidement que du coup, on a un Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Qui en plus, maintenant, est géré d'une main de maître. Par nos modos et ils ont beaucoup plus de liberté. Là, on a changé ça récemment, donc du coup, ils ont créé des nouveaux espaces et tout. Donc là, ça devient vraiment intéressant ce Discord. Tout à fait. Aussi l'occasion de discuter entre les émissions. Donc voilà, le reste de la semaine. Vous pouvez le trouver dans Twitch. Il y a le lien du Discord. Ouais, juste en dessous. Il y a une catégorie social eating. C'est vrai qu'on pourrait se mettre là-dessus. Je tiens à préciser aussi que la semaine prochaine, on se retrouve dans la configuration actuelle. Pas actuelle, justement. La configuration normale. Ouais, c'est fort. On sera avec des lumières qui nous crament pas la gueule. C'est avec ça. Notre petit décor. Et on ne sait pas encore. Et un réalisateur, je crois que c'est Pierre Lapin qui sera avec nous. Mais on aura aussi un broadcaster qui viendra caster les games avec nous. L'invité, non, voilà, c'est encore en décision, évidemment, toujours dernier moment. N'hésitez pas à nous dire si le son du jeu n'est pas trop fort. Je vais le baisser un petit peu chez nous. Et on va partir sur un petit Super Mario Battle pour ceux qui connaissent. Alors, sur Super Nintendo, on avait un mode versus. Et il y a Michel qui est là. Comme on a Michel, si tu veux, normalement, j'explique. On termine toujours l'émission par un petit jeu à la con. On fait commenter comme si c'était vraiment le match de foot de la Coupe du Monde. D'accord. Et donc là, on n'a plus de personne pour commenter. Donc on pensait le faire nous, mais n'hésite pas si tu veux commenter cette partie. D'accord. Tu as tout à fait le droit. Tu as tout à fait le droit, ou si tu veux mettre une ambiance ukulélé. Écoute, là, on est en mode à la one again, comme on dit. Je voulais juste pour le final. Je voulais juste aussi dire qu'on a vu toutes vos questions passer. Malheureusement, on ne pouvait pas toutes les proposer à Antoine parce qu'il avait peu de temps. Mais donc voilà, je vais m'excuser.
parce qu'on n'a pas pu lire toutes vos questions. Un sous-titre est manquant et... Attends, on a User World qui a parti en ligne. Ça y est, sera la partie est relancée. Non, non. Attends, on peut peut-être gagner là. Alors, donc voilà, donc on a bien vu vos questions. Désolé pour celles qu'on n'a pas pu poser. J'espère que vous aurez l'occasion plus tard de les poser. Ouais. Merci d'avoir été indulgent. On était au four et au moulin aujourd'hui. On a hâte de retrouver, c'est toi qui dirige, on a hâte de retrouver nos réalisateurs fétiches. Alors je suis qui? Moi je suis qui? Eh bien écoute, on va voir. L'objectif est simple, Michel, il faut gagner. Il faut gagner donc par tous les moyens. Je suis le vert. Ah mais c'est ça, c'est bien ce que je voulais. Moi ma manette ne veut plus. Ah, voilà, non, donc Valentin, tu as peut-être une chance de l'emporter. Oui, je pense que là-dessus, tiens, c'est peut-être pas mal. Est-ce que tu peux remettre play pour voir si ça. Est-ce que j'ai. Ah, ça lag apparemment. Le live bug à mort à cause du jeu. Ah, t'as quitté les autres jeux ou quoi? Sinon, t'as tout quitté? Alors attends, je vais reconfigurer la manette et on va voir. Ah oui, on a des drops. Oula, on a beaucoup de drops. Là, je pense que les gens commencent à mater l'épisode de Game of Thrones et du coup, la 4G sature. Alors attends, bougez pas, je vais nous régler ça. N'hésitez pas à meubler, les amis. De toute façon, c'est bientôt la fin. Bah, écoute, revoir, bien sûr. On va se dire au revoir juste après ça. Avec un skip aussi. Et c'était vraiment bien, même si ça bug un petit peu. C'est normal, y'a pas trop de réal. De réal, y'a pas trop de réal, ni même de réseau. La wifi est un petit peu pourrie. Ça saute un peu tout le temps, donc soyez indulgents. De toute façon, c'est bientôt fini. Ouais, yeehaw! Alors on y va. Il y a des petits réglages à faire. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous inquiétez pas, ça va finir par marcher. Si vous voulez faire autre chose pendant ce temps, bah c'est le moment. Revenez tous dans 5 minutes. Si ça se trouve, ça marchera. Attendez, je crois que ça marche. Oui. Allez, on y croit. Enlève le pause. Ne marche pas. Bon, on est sur un fail. Hein. On est sur. Alors moi je peux faire pause et c'est tout. Bon écoutez, on essaie de faire marcher le jeu, je crois que ça marche pas. Et sinon on va s'arrêter là-dessus. Allez, hein. On va s'arrêter. Désolé. De toute façon, vous avez prévenu dès le début, c'est une émission un petit peu particulière. Bon, on part sur un problème technique qui prouve qu'on a besoin d'un réal, qui prouve que la semaine prochaine il nous faudra. Merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être resté. Voilà, c'était totalement à l'arrache. On essaiera la prochaine fois de refaire. L'idée c'était aussi de montrer qu'on peut faire un skip en déplacement. Bon, là ce qui est compliqué c'est qu'Adinar, la connexion pardon, mais est un peu limitée. Et puis on a prévenu le festival au dernier moment, tout ça. Donc du coup, on n'a pas la meilleure des connexions, on est sur notre 4G, tout ça. Comme quoi, on peut quand même. On a peut-être prévu un petit peu ambitieux, la prochaine fois on fera plus simple. Mais on espère pouvoir refaire d'autres festivals de ce type pour pouvoir faire un petit skip. Pendant qu'on est en transport, quoi. Voilà. On the road, un skip on the road. D'ailleurs, je remercie encore une fois le Dinner Comedy Festival, Xavier Le Breton, les Michel qui sont venus faire de la musique pour l'émission, Guillaume Arnaud aussi, Guillaume qui nous accueille dans le café de la plage, voilà, ici à Dinner. Emmanuel Gann et Aurélie Vigeant qui jouent et qui présentent le Dinner Comedy Festival. Ouais, c'est surtout la connexion. Et voilà. Ouais, bon, en plus, si la connexion ne suit pas, voilà, au moins on était battu, on n'a pas de regrets. Merci beaucoup d'avoir été là, merci au Modo aussi de faire un travail aussi ouf. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que pareil, c'est à fond dessus et tout. On essaie de créer un beau petit espace pour discuter tous ensemble, d'améliorer tout ça. Comme l'émission, hein, on vous l'a dit, de toute façon, c'est la troisième émission seulement. Hein, c'est ça, j'ai tenu le pari jusqu'au bout avec ce t-shirt Johnny Hallyday. Il n'y a pas eu de défaite puisqu'il n'y a pas eu de jeu, donc on n'a pas de défi pour la semaine prochaine. On pourra arriver avec un petit dos comme vous aimez bien. Voilà, donc, ça peut être gratos. Il y a de Michel 2. Il y a Michel Cédric qui est là, qui vous dit au revoir aussi. Est-ce que tu peux terminer comme à la télé? Tu peux terminer comme à la télé. On a des flammes pour les Michel. C'est vrai qu'on peut redonner des flammes pour les Michel qui, quand même, ont fait un très beau travail de meublage et de très beaux jingles qui ont apporté une petite saveur particulière à ce skip. D'ailleurs, ils ne savent pas encore, mais ils doivent revenir toutes les semaines maintenant. Alors, parce qu'on n'a toujours pas de jingle, donc. Je vais terminer comme à la télé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, au même endroit sur Twitch. Ouais. Voilà. Ah, ok, j'étais pas prêt. Je pensais que t'allais faire une fin plus longue. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, à 21h sur Twitch, sur la chaîne de Julien Josselin. Oh. Est-ce que ça te plaît quand je parle comme ça? C'est parce que je vais continuer très longtemps. Merci au Michel, merci à tous, merci au Dinner Comedy Festival, merci Julien. Je vais parler très très vite. Salut et à très bientôt. Salut, à la prochaine fois, oui. Askip, Askip.
Askip. Askip. Festival, c'était vraiment, 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 vraiment génial. J'ai adoré. Ordinaire Comédie Festival. C'était Ordinaire Comédie Festival. Ouais. Ordinaire Comédie Festival. Je suis bourré. Vraiment, 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 génial. Moi j'ai pas trop aimé. Ordinaire Comédie Festival. Allez. Ordinaire Comédie Festival. Ordinaire Comédie Festival.